Bonsoir. 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 C'est nous. Ouais. C'est les gros relous qui, encore une fois. Qui refusent que vous appréciez les trucs et qui sont persuadés d'avoir des meilleurs goûts que vous. Et qui ont certainement raison d'ailleurs, ouais, je pense. C'est même pas une question d'être persuadé, tu vois. C'est une évidence en fait, quelque part. Ouais, je pense. Et merde, encore eux. Eh oui, vous êtes pas encore débarrassés, ouais. Les connards. Donc, on est là pour rester, hein. Ce soir, on va faire un spécial, un combo, j'ai envie de dire le maxi best-of des vieux cons qui peuvent pas oublier le passé. C'est nous. On va faire du Iron Maiden parce que ça fait un moment qu'on voulait le faire, que tu voulais le faire en plus. Oui, ça fait un moment. Ouais. Au début, je voulais le faire et puis il y a eu le truc avec 3D Realms. On va y revenir et j'ai plus envie de faire. Je pense qu'on va en parler. Et j'ai plus envie de le faire. Non, c'est pas Iron Fury. Mec, funéral. J'ai essayé de mettre Iron Fury sur Twitch. Il est même pas répertorié, c'est encore Iron Maiden. Donc je crois qu'ils ont pas eu le mémo, les mecs. Et il va falloir qu'on les envoie dans des... c'est quoi, les cours de sensibilité, là? Ouais, c'est ça. Sensitivity training. Ouais, c'est mec, ce mot-là... Tu sais, on dirait des trucs pour les chiens, c'est... Du potty training, tu vois. House training, pour pisser sur le sopalin. Ouais. Et donc on va faire du Iron Maiden et ensuite on va faire du Medieval. Exact. Du Medieval, parce que ça aussi, ça fait un moment qu'on voulait le faire. Ouais. Et on je voulais le faire, et puis ensuite, je t'ai dit non, de toi enculé. Ouais, j'ai dit tiens, je vais faire du Medieval, t'as fait non, je suis pas très bien. Et on avait déjà commencé avec Poons. Et on n'avait pas fini parce qu'il n'y avait pas tous les épisodes. Oui, c'était la bêta en plus. Ouais, c'était la bêta, ouais. C'est et c'est pareil pour Iron Maiden d'ailleurs, j'avais commencé aussi, oui. Mais c'était pas du tout fini. Du coup, on va commencer nous deux, les premières parties en fait, on sera ensemble. Et ensuite, ce sera Momo qui continuera Iron Fury et Iron Maiden. Medieval, je galère. Mid Fury et Iron Evil. c'est stylé quand même, n'empêche, mine de rien. Iron Evil, je suis chaud. Bah écoute Momo, j'ai envie de dire, attends, je vais juste, le son devrait être bon. Work your magic, je crois pas que le jeu soit en français, il me semble qu'il a jamais été traduit. Voilà. Non, je crois pas. Pas du tout, ouais. Bof, personnellement, en plus, je m'en fous. Ouais, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles, ouais. Parce que je pense que c'est pas un... Ouais, j'y vais en direct, en normal. En One Ton Carnage, ouais. Ouais. Référence à un jeu qu'on streamera pas non plus. Je sais même si c'est quoi. Putain, non. Si, le... Tu vas pas faire ça tout le stream. Tu vas pas dabber tout le stream. Merci MT Snake pour le reset d'ailleurs, merci Airsock. Merci, ouais. Et il y en avait d'autres aussi, merci beaucoup les gars. Putain, comment il s'appelle? Wong. Wang. Who wants some Wang? Putain, y'a personne sur le chat qui peut nous aider là? Avec Wang. Shadow Warrior. Original. Ouais, ouais, ouais. Original. D'accord, oui. Ouais, ouais. Et tu peux le faire. Mais écoute, peut-être. Oh la vache, ouais. Peut-être à un moment. Pour un lundi oldie, ouais, mais ouais. Pas les nouveaux. Pas les nouveaux. Je pense pas faire les nouveaux, tu sais. Le premier était cool. Le premier nouveau. Enfin, le HD quoi. Le HD, ouais, il était sympa. Est-ce que ça va niveau son? Est-ce que ça gueule un petit peu niveau son? J'ai l'impression, hein. Je l'avais. J'ai fait une vidéo sur le premier, ouais. Et attends, vas-y, mais échappe, s'il te plaît. Vas-y, on va. Ouais, je vais juste baisser un petit peu le son. Ouais, un tout petit peu, même si ça dit que ça va, c'est bon, je vous crois pas. Non. Donc voilà, on va foutre ça comme ça, c'est plus simple. Que j'avais fait mon premier stream sur Minecraft, je vous avais demandé aussi, vous m'avez dit, ouais, ça allait, c'est bon, pas de baguette. Oh ouais. Après, on m'avait dit, ouais, non, mais en fait, le son il fait chier. Et tu sais, ils disent, ça va, quand on nous entend pas assez en fait. Quand le jeu est pas assez fort, ils nous le disent, mais complètement. Et quand on nous entend pas, ils disent tout le temps, y'a pas de problème, c'est super cool. Bah du coup, dites-le si on vous fait chier. Oh là, merci beaucoup pour les resubs. Je sais que vous allez vous ennuyer sans moi, mais bon, pas le choix. Bisous les pipous. Merci beaucoup, Poons. Et attends, on a eu aussi... Merde, on a passé le... Attends, vas-y, m'échappe encore. On a loupé quelqu'un qui a filé un truc, là. Ah bon? Ouais. C'est Doom Annihilation qui a donné 1€. Alors, on m'a bien kiffé, bande de boomers. Attends, tu sais quoi? Je vais lever juste un petit peu ça, ouais, comme ouais, ça, on aura les deux autres d'avant. Le don rip. Ouais, pardon. C'est bon, on est là. Yes. Ouais, Doom Annihilation... Un film. Ouais, c'est un film. Non, mais ça me fait mal de l'admettre, mais il était aussi. Aussi à chier en fait que le Doom avec The Rock, quoi. Il y en a qui l'ont vu sur le chat ou quoi, Doom Annihilation? Je crois que Elda il a rematé, non? Enfin, il a abandonné. Ouais, je crois qu'il a abandonné. Et ouais, il était. Ouais, c'était. C'était. Il se refait une beauté, laisse le mec, wow! Je vais me repoudre le nez. Bah ouais, et puis c'est... en 2019, t'as pas le droit de le vanner sur ça, mec. Hein. Tu m'as dit qui tu veux, c'est ça? Bah oui. Elda il a tenu 45 minutes.
Alors c'est quoi, vas-y, on a quoi? Monster Bash, Major Striker, j'imagine. Ouais. Biomenace, et Blackstone, Aliens of Gold. D'accord. Et ça. Addictive Soda. Ah, t'as compris, parce que le coca, ça rend les gens. Salt and Fat, parce que c'est américain. Ouais, les américains, c'est trop des gros cons. Je crois que je suis paumé déjà. Yes, Tab, je crois, pour l'automap. Yes. Ouais. Donc il vaut un Doom avec The Rock. Franchement ouais. Et en fait Il vaut un Doom avec. Tu penses quoi toi? T'as préféré ce avec The Rock quand même? Il y a des poubelles. Yes. Franchement je saurais pas dire. Tu peux les éclater les poubelles avec la matraque je crois. Avec la matraque, elle est où? Ouais. La matraque, elle est en 1 ouais. Et je. Ouais, il y a des trucs dedans. Et donc ouais, en fait, ce qui drive un petit peu dans le film, j'avoue que moi, ce qui m'a poussé à regarder un petit peu et ce qui m'a hypé de temps en temps, c'était quand même les références. Ouais, les références, tu dis. Attends, je suis un gros con MDR qui dit « Blackstone, c'est le FPS qui a été vendu en Allemagne parce que ses gros PD avaient interdit Wolfenstein 3D, dis donc. » Oh la vache. Tu crois? C'était Blackstone. Blackstone, tu veux que je regarde pour savoir si je suis un gros con MDR porte bien son nom? Blackstone Wolfenstein, je vois. Putain, ouais! C'était Blackstone, putain, Blackstone, Alien of Gold. Alien of Gold. Proche de Wolfenstein 3D. Ah oui, non, mais oui. Mais ouvert par Apogee, du coup. Ouais. Et oui, du coup, ouais, le gars qui mode Brutal Doom avait dit qu'il était pas si horrible que ça, le film. Et à un moment, on matait le film, tu vois, on était dans la bonne ambiance, Momo est en train de chouiner. On était dans la bonne ambiance du gros film de merde, et on se dit, ouais, bon, ok, c'est un film de merde. Et le pire, c'est que je m'apprêtais à faire un compliment au film. Ouais. Il était au bord du compliment, en fait. J'avais armé ma bouche, tu vois. Et il y a un super personnage qui s'appelle Johan Dark. C'est pas une blague. Johan Dark, et okay, apparemment, ça pourrait être une référence à Perfect Dark, parce que la meuf s'appelle Johanna Dark. Apparemment, c'est ce que Spider nous a dit. Ouais, elle se penche sur un cadavre. Et c'est quoi le nom du cadavre? Dab. C'est William Blaskowitz, poteau. Un cadavre qui s'appelle. Un docteur qui s'appelle William Blaskowitz. J'avais rien demandé à personne. Franchement. Momo s'est évanoui. Ouais. Tu sais, sa vision est devenue blanche. Il a entendu un dans ses oreilles pendant environ une heure. Et ouais, il est mort. Je me suis pris une flashbang audiovisuelle. C'était vraiment pas fun. J'avoue que je m'y attendais pas. Alors par contre, il y a eu une référence à John Carmack. Il y a certainement des références à Romero. Mais en fait, je trouve que l'univers, le film est mal branlé. Ça, on est d'accord. Ah oui. Mais l'univers de Doom est mieux retranscrit dans celui-là que celui avec The Rock. Je crois que c'est pour ça surtout qui m'a plus plu, tu vois. La rêve de merde. Ah oui, mais surtout, ça t'arrive, ça te tombe sur la gueule. Ouais, non mais vraiment. Un truc de fou, hein. Il arrive de nulle part, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, il arrive genre. Hésite pas à backtrack pour récupérer de la vie, hein. Ouais. Ah bah c'est lui qui fait chier, en fait. Ouais, voilà. Mais ouais, parce qu'en fait, ça arrive. Donc la ref à Blasco, elle arrive genre. Comment? Peut-être 20 secondes. Après la ref à. C'était qui? John Carmack? John Carmack, ouais. Et du coup, on s'est dit, bon bah, c'est John Carmack, ça va être. Romero, quoi. Romero, tu vois. Ouais, Non, il nous a pris à l'envers le film. Pourtant, tu voulais couper les couilles au réel à l'annonce du film, il t'a même bloqué. Moi, je pense que je vais aller lui couper les couilles. Pour le coup. Ça va éclater. Ça m'a fait vraiment en fait bizarre de voir un film d'un mec qui m'a bloqué sur Twitter. Ouais, bah oui. Il y a un genre de. C'est un genre de trophée en fait. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. Tu vois, c'est comme si tu mettais Jurassic Park alors que Spielberg il t'a envoyé chier un moment, tu vois. T'as envoyé une lettre en recommandé. Va te faire foutre avec tous mes dollars. Mais ouais, le film était. Il était bidon, hein. Il était vraiment bidon, mais. Il y avait des idées sympathiques quand même. Mais il s'est rien passé dans le film. C'est vrai qu'il s'est rien passé par contre, ouais. C'est vrai que le film a aucune incidence. Enfin, il a quand même une incidence assez grave selon moi, c'est que... Il y a une suite. Ouais. Ouais. Ils ont clairement prévu d'en faire un deuxième. Après, est-ce qu'il y en aura un deuxième? Ça, je pense que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Ça, c'est la question à un milliard, comme on dit. C'est prévu. Ouais, c'est prévu, ouais. C'est clairement prévu. Et il y a des. Par exemple, le passage. On va vous spoiler le film parce qu'on en a rien à foutre. Et que vous en avez rien à foutre. Et que vous en avez rien à foutre. Alors fais gaffe aux lance-grenades. Il y a un mec sur un toit, voilà, sur la gauche, qui te lance des grenades. Tu vois, il brille un petit peu. On parle pas beaucoup du jeu là, mais on en parlera après, mais vous inquiétez pas. Venir, et d'ailleurs, quand t'as récupéré le fusil de chasse là, qui ressemble à un lance-grenade, ouais. Elle a dit This is my boomstick. Donc, petite révérence encore années 90. Qu'est-ce que je voulais dire?
bien un peu spammé. Si, ouais, il y a des idées sympathiques dans le film, et par exemple, à la fin, donc elle arrive, elle chope un portail, et elle arrive dans ce qu'ils appellent, dans le jeu, dans le film évidemment, The Dark World. Parce que c'est pas l'enfer. Parce que c'est pas l'enfer, et ouais, le mec, il a dû pas totalement comprendre le speech. Elle arrive dans le Dark World, et en fait, tout est plus ou moins en image de synthèse, et c'était vraiment sympa en fait. Oui, ouais. C'était vraiment joli à regarder, et aussi, j'ai été surpris du fait qu'ils ont eu les couilles de foutre des imps dans le film. Enfin. Faut être courageux pour appeler des imps, je trouve, mais... Oui, mais, bah, écoute, disons que c'est l'interprétation d'artiste, quoi, du imp. Ouais. Et ils lancent des boules de feu. Vraiment, ils ont foutu des monstres qui lancent des boules de feu. Tu la vois, la 2D, là? Oui, oui, oui. Alors, ça, tu peux le changer dans le jeu. Ah ouais? Tu peux faire en sorte que ce soit une vraie 3D. Moi, je préfère avoir la distorsion comme ça fait un peu plus à l'ancienne, mais si tu veux, tu vas dans les options et tu changes ça, y'a pas de problème. Non, bah, si ça te donne un petit peu envie de vomir. Non, non, t'inquiète. Moi, j'ai envie de vomir aussi de manière générale. Ok, d'accord, ok. Des bonnes images de synthèse. Bah, bonnes, meilleures en tout cas que les costumes en carton que les mecs portent pour montrer les imps, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, non, y a des trucs pas mal. Y'a des trucs pas mal. C'est ça le fait d'avoir des films de merde et d'avoir du pognon pour. À la UV Ball, en fait. Ouais. Les imp étaient géniaux, dit Spider. C'est Spider, c'est qu'on peut lui faire. On a posté une photo de nos gueules en regardant le film sur Twitter et on voit que Spider s'amuse plus que nous. Mais ouais, c'était pas. Ah, voilà. Et est-ce que t'as save? Pourquoi faire? D'accord. T'es fou de... Salut Kirby. Yon Kirby. Ça fait un moment que t'as pas vu aussi. Ouvébol, il a pas le pognon pour, il vole le pognon pour. Oui, c'est vrai. Il détourne de la thune, lui. Bah, c'est avec. Merde. Et avec les déductions. Avec les trucs. Tu sais, en Allemagne, ils ont un truc particulier. Ouais. Et il fait ça avec ça, lui. En fait, il s'endette. Bah, je sais pas, c'est un genre de CNC en fait, tu vois, mais je sais pas trop comment ça marche. Mais je sais qu'en Allemagne, c'est particulier. Et je crois que vraiment, t'as moyen de niquer le système, genre vénère. Ah, ouais, en fait, il fait du glitch run à chaque fois, quoi. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Avec le système allemand, il piquait des thunes à moitié. Ouais, c'est ça. En même temps, ça lui ressemble un petit peu. Tu sais quelle vibe j'ai quand on parle de UV Ball ou quand on voit UV Ball? C'est Dieudonné, mec. Quelque part, il me rappelle Dieudonné. Parce que Dieudonné aussi, il détourne de la thune. Ouais, et il a le même côté, les journalistes sont des pédés et j'emmerde tout le monde et je suis le seul visionnaire, machin et tout, tu vois. Enfin, ouais. Enfin, sauf que Dieudonné, il est à peu près rigolo encore. Ouais, ça, il est plus rigolo que UV Ball, ça c'est clair. Ouais. Parce que UV Ball, c'est vraiment. Voilà, c'est tout ce qui m'aspire. C'est un petit peu le Patrick Sébastien des films de merde, quoi, en vrai. Patrick Sébastien, pourquoi tu veux dire de Patoche? De Patoche? Bah, disons, au niveau humour. Oh, je sais pas, il est marrant. On tire dans des couilles. Il est marrant, Patrick Sébastien? Bah, c'est à dire que c'est un beauf, quoi. Voilà, écoute, au niveau, c'est pas rien. Il est marrant. Attention à ta vie. Ouais, non, mais j'ai encore crevé, t'inquiète. D'accord, ok, bah, je m'inquiète pas alors. Tiens, je regarde. Oui, il faut d'abord que tu fasses une save et ensuite tu pourras quick save dessus. Ok. Fais un truc inspiré. Je suis au max. Est-ce qu'il devait donner tabasse des journalistes dans des matchs de boxe? Il a fait du judo, du donné. Non, c'est pas pareil, au pire, ouais, il leur fait un ikigoshi, quoi, mais... Ouais, voilà, il a pas judoté les journalistes. Mais, Uwe Boll, oui, mais, qu'est-ce qui se passe? C'est la sensibilité, peut-être. C'est la souci, ouais. C'est pas un crime d'être beauf, dis, je suis un gros con MDR. Quelque part, si tu veux, le message, il était implicite, mec, mais oui, c'est vrai, c'est pas un crime d'être beauf, hein. Mais j'ai jamais dit que Patoche était un criminel, loin de là. C'est peut-être un peu trop. Non, vas-y, prends ton temps pour faire les options, t'inquiète, hein, y'a pas de problème. Uwe Boll me fait penser à Valls à traiter de nazi tout le monde. Mais c'est pas lui un nazi, je comprends plus. Mais... Est-ce que c'est nazi de notre part de penser qu'il est nazi parce qu'il est allemand? Non, mais c'est pas par rapport au fait qu'il soit allemand. Ah, moi aussi, ouais. Ah. Non, c'est juste par rapport à lui, en fait, en tant que personnage. Enfin, en tant que ce qu'il nous montre de sa personnalité, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas, parce qu'il a fait un truc sur le Darfour. Alors, est-ce que les nazis, ils aiment bien le Darfour? Ouais, mais est-ce que c'était pro-Darfour? Non au Darfour! Pour des raisons personnelles, je suis très aggravé par la protection de l'enfance. Ouais, mais ce mec, je le connais pas beaucoup. Oh, mais disons, merci Torten pour le resub. Je me disais bien qu'il y avait un son qui était pas... Oui, je me disais, c'est marrant, il y a un thème de GTA 3 qui... Tu peux sauter sur toi, je pense, là, hein, en face. Antoine, tu peux sauter sur Antoine, ouais. À toi, les opticiens. Yes. Alors, dans le jeu, il y a des milliards de planques. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Tout est planqué, les niveaux sont gigantesques, en fait. Et je pense que ça se voit assez, tu vois, quand même, la place, elle est pas mal. Ouais. Et juste avant, dans le petit market, là, il y avait aussi énormément de trucs planqués. Et des fois, il y a des techniques vraiment spéciales pour accéder à des coins planqués. Ouais. Et tu vois, ça, par exemple, c'est caché, tu vois, il y a un gilet pare-balles dessus. Ouais, Ils avaient pas le droit de faire un film Carrefour.
Arrête. Je suis désolé, vous m'entendez pas, mais je dab à chaque fois. Et en face, on verra. Oh, yeah. Le seul bon moment de la vie d'Uwe Boll, c'est quand il se prend un coup dans les couilles dans Postal. Et qui dit, je déteste les jeux vidéo. Ouais. J'ai vu le film Postal bien plus de fois que j'aimerais le dire, en fait. Ouais, ouais. Bah, pas moi. Je l'ai vu 5 ou 6 fois, je pense. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais attends, mais elle est où la clé, sa mère? Alors, déjà, éclate tout le monde. Ouais, mais il est où? Je vois pas. Je sais pas. Gueule. Tu peux monter, ça? Non. Non. On l'entend, en plus, il est pas en bas, là. En bas, je crois. En bas, là. En bas, là. En bas, là. Ah, bah, là. T'étais pas dessus, là. Non. T'étais pas dessus, mais t'étais dessus, quand même. Attends, si j'ai... Attends. Non. Que se passe-t-il? Non, pas ça. Après, Patrick Sébastien, c'est un gilet jaune, donc il est un peu un criminel, maintenant. Mais, Dieudonné aussi, hein. Dieudonné est un gilet jaune, aussi, hein. Dans les dernières vidéos qu'il a faites, là. Il est, It's canon. Non. C'est quoi? Autoim, j'en veux. T'en veux pas? Ouais, never. Non. Écoute. Yes. C'est pour ça que je suis mauvais. Ah. C'est parce que, donc, du coup, maintenant que t'enlèves l'autoim, en fait, c'est un peu comme si tu enlevais tes inhibiteurs dans MGR, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Principe. Et je crois que tu peux rentrer. Ah, bah oui, tu l'as, en fait. Mais attends, c'est pas de là d'où je viens? Non, c'est là, non, c'est là que tu viens, ouais, okay. Ouais. Oublie pas de quick save, hein. Je te dis ça parce que je me suis fait niquer un nombre de fois incalculable, oui, en fait. Non, mais tourne sur la gauche. Le générateur. Ah, tape dessus. Voilà, c'est calme. Ok, d'accord, je vois. C'était quoi l'autre film de Uwe Boll où il y avait un mec en tenue de CRS ou je sais plus quoi, peut-être pompier, et qui butait les innocents en pleine rue comme ça? C'était Rampage. Rampage, sniper en liberté. Oh putain. Tu l'avais vu, celui-là? Ouais, je sais plus si je l'ai vu, mais je me souviens d'une scène en particulier où t'as un mec ultra edgy qui fait un discours. Oui, c'est ça, c'est la ça scène dans le restaurant de Rampage, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est toute la philosophie d'Uwe Boll, en fait. Ouais, c'est. Et il est beaucoup comme ça, je crois, dans les. Ça va, Dr. X? Attention. Attention. J'espère que t'es pas phobique comme l'indienne qu'on a vu dans le film tout de suite. Maman. Et oui, il y en a eu 3 des films Rampage. Non, mais tu vas voir tout de suite, t'inquiète. Et t'as des copains par terre. Ouais, j'ai vu ça. Vas-y, je me casse. Ouais, mais par où? Bah, attends. Non, ah, c'est oui, fermé. Il va falloir les éclater. Ok, d'accord, je vois. Et j'aime bien ce petit design. Il y a un petit côté Strog. Ouais. Dans leur gueule. Ça, c'est des petits crânes à moitié cyborg sur des araignées. À mi-chemin entre Toy Story et Quake. Ça me fait penser à un autre, c'est Small Soldier, je crois, t'as un truc dans le genre aussi. J'ai pas vu Small Soldier. Mec, il déboîte en mode après. Ok, vas-y, ouais, je suis chaud. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai vu en plus. Ouais, bah ouais, carrément. C'était un peu mon film de chevet quand j'étais gamin. Ah ouais? Je me souviens que je me levais genre le samedi matin à 7h, tu vois. Ouais. Il y avait pas école, j'en profitais, tu vois. Ouais. Je sais pas encore quel. C'est vrai que se lever tôt quand il n'y a pas école, est-ce que c'est pas le meilleur truc du monde? Mais surtout quand tu peux mater le dessin animé et tout, tu vois. Ouais, bah oui. Je préfère. Mais Donc ouais, Rampage. On était sur Rampage. On était sur Rampage, vas-y. C'est un gros film de merde et il se place un petit peu dans l'espèce de critique Columbine, et en même temps le gars c'est un héros mais il tue des innocents et tout, et ouais, c'est un gars, il se fait en fait il se fait convaincre par son pote, je crois, son pote qui est un gros chômeur mais qui la société dégoûte, tu vois. C'est Rorschach. Ouais, c'est un peu Rorschach, ouais. D'accord. Et il est assez pitoyable, et oui, il en a fait 3 des Rampage. Et je crois que le dernier se passe à Wall Street. Ça arrête jamais, ce mec. Non. Tu peux pas l'arrêter, en fait. C'est un petit peu comme la Luftwaffe. Hein. Ce qui fait que Rampage, c'est encore plus de la merde, c'est que le film a réussi à être survendu comme pas possible. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui le citent, en fait. Enfin, qui le citent, qui en parlent de Rampage. Mais ça, mais mec. Mais et trop, en fait. Trop de gens qui en parlent. Trop de gens qui m'aiment. Ouais, trop de gens qui t'aiment. Mais c'est. Comment? Ça, c'est. Des fois, je vois sur Facebook, c'est des gens avec qui j'étais ami avant. Ouais. Et ils se sont devenus tellement edgy, tu vois, mais tellement, ouais. Tellement en mode Rorschach, en fait. Ouais, c'est ça. La société, quoi. Quand t'as la tête sous l'eau, t'as plus dessus. Ouais, c'est ça, quoi. C'est insupportable de voir. Ouais. Et de voir qu'avant, c'était des gens avec qui je parlais, tu vois. Et tu sais, je vais dire ça, mais j'adore le mec, hein. Mais Michael de Goat and Your Mom, donc ceux qui chantent Can You Quack Like a Duck When You Suck, il est comme ça. Cet artiste. Il est on se fait chier avec les politiciens, de toute façon la race humaine elle devrait disparaître, machin et tout. Il est sur Facebook, il est, je crois que c'est quand il est bourré, hein. Oui, mais il est bourré tout le temps, non? Ouais, il est bourré tout le temps.
On entend pas trop Momo, soit rapproche le micro de lui, soit qu'il parle un poil plus fort. Je vais rapprocher un peu le micro, il va se rapprocher un peu aussi, ouais. Et on va parler un peu plus fort. Voilà, comme ouais, ça, voilà. Voilà. Je vais hurler, comme ça les voisins après vont venir. Normalement on est bien, ouais, on pourra les taper. Non, ils sont gentils, ils sont adorables. On vous aime. Voilà. Bisette. Mais j'ai pas ramené de clé par contre, moi ça. T'as chopé la blue card, donc tu vas pouvoir passer par là-bas. Ouais. Et attends, c'est là où... Voilà. J'ai vraiment fou, grosse couille, fin de sauvegarde rapide. De paix. Non mais je te vois, t'es courageux en fait comme mec. Bah moi tu sais, tu me connais, c'est les spectacles avant tout. Ah c'est pour ça que t'aimes autant Patrick Sébastien en fait, y'a un côté showmanship. Clairement je pense que c'est ça. Ouvebo la fin... Non. Yes. Non. Mais oui mais j'avais pas attendre, compris. Il va falloir attendre, il va falloir attendre. Qu'il arrive en haut et ensuite tu pourras faire ça. Je pense que c'est bon là, ouais. Mais Ouvebo l'avait pas fait un film Far Cry aussi, alors je l'ai pas vu. Il en a fait un si, il me semble. Et je l'ai pas vu non. Mais en vrai, je suis d'accord, Postal c'est de la merde de film. Ok, ça on est ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors bien entendu, je vais finir ma phrase par mais. Tu vois, bah, et ça va mettre plein de gens. c'est mon côté contre-courant. Ouais, je suis un peu un saumon de l'opinion quoi. Et mais il y a quand même des passages marrants. Et j'ai l'impression qu'il a. Enfin, il a compris l'humour du jeu quoi. Enfin, c'est Postal. Oui, ouais. Le jeu Postal, c'est de la merde. C'est oui. Et c'est son genre en plus. Je vois bien que Uwebo, c'est Postal, c'est exactement son genre de jeu, quoi, tu vois. Et oui, Far Cry, j'ai l'impression que c'est comme The Marine en fait, avec John Cena. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Ah ouais. Mais j'ai vu un trailer et ça m'a suffi en fait. Et John Cena était un meilleur acteur dans Daddy's Home. Je sais pas si vous l'avez vu, Daddy's Home, mais ça valait le coup ça. Je l'ai pas vu. T'as pas vu? Non. En gros, tu connais l'histoire? Même pas. Donc, je vais raconter l'histoire, parce qu'en vrai, c'est marrant. S'il y en a qui l'ont pas vu, vous devriez le mater. C'est Will Ferrell, qui est marié à une nana, qui a déjà des enfants de son premier mariage. Ouais. Et il a du mal un peu à s'imposer en tant que nouveau père, tu vois. Ouais, ouais. Et il le respecte pas trop, les enfants, ils sont un peu cons et tout. Et leur père d'avant revient de je sais plus où, tu vois. Ouais. Et il doit venir à la maison, il est invité, tu vois, à passer quelques jours ou la soirée ou je sais pas quoi, un apéro, etc. Et t'as plus de mission, tu vois. Et cet ancien père, c'est Mark Wahlberg, qui est ultra badass, qui a fait deux, tu sais, les marathons Iron Man, qu'on a fait deux à la suite, qui revient de la Syrie, il a été ancien chez la CIA, machin et tout, tu vois. Et donc t'as le clash entre comment il s'appelle, Will Ferrell qui est une merde, tu vois, qui roule en Prius, ouais. Ouais. Et Mark Wahlberg qui roule en putain de moto de ouf, tu vois. Et donc en fait ouais le film est super cool. Et je vais spoiler la fin tout de suite. Donc si vous voulez pas vous foutez mute une minute ou deux. Ouais. Et tu veux que je te spoil, ça te dérange pas? Non vas-y je suis okay. Donc Mark Wahlberg au fur et à mesure que le temps passe il apprend à devenir un père machin et tout. C'est très mignon, c'est très américain. Ouais. Et il se marie à une meuf qui a des enfants de son premier mariage. Okay. Aussi ouais, Mark okay. Wahlberg qui est ultra badass. Ouais. Et à la fin leur père arrive et c'est John Cena en t-shirt avec ses bras énormes sur une putain de moto de ouf et qui il shadow en fait Mark Wahlberg de D'accord, ouf, il envoie chier tu vois. Et dans le deuxième film c'est leurs parents, donc le père de Mark Wahlberg et le père de Will Ferrell qui se tire la bourre. Et donc D'accord. Le père de Will Ferrell c'est un mec tout chelou, un genre d'anglais, un mec qui a une gueule d'anglais, c'est bizarre, qui est tout gentil et beaucoup trop proche de son fils tu vois. Et le père de Mark Wahlberg, c'est Mel Gibson, ultra badass, avec le vieux qui nique toutes les petites minettes, tu vois, grosse veste en cuir. Et franchement, les films, ils sont plutôt marrants. Ouais. C'est de l'humour américain, hein, donc faut s'accrocher, ouais. Mais les films sont plutôt marrants. Ouais. Donc, du coup, Iron Maiden. Franchement, c'est un jeu que je joue en pilote automatique pour l'instant. C'est vrai, ça, c'est le Arcade High. T'es en Arcade High, et oui, c'est vrai qu'il se joue pas mal comme ça. T'as vu, les tirs sont étranges des fois. Ça je sais pas si c'est l'habitude de Doom ou quoi, mais il y a des tirs qui passent pas, qui devraient passer, j'ai l'impression de temps en temps. Ouais, je sais pas. Ou le spread du shotgun qui est pas assez élevé, ou je sais pas quoi. Mais... Mais même au niveau des dégâts. Genre, je suis pas sûr de. C'est inconsistant. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Donc ouais ça c'est une map que j'avais pas pu montrer quand j'avais fait les streams d'Iron Maiden parce que c'était moi ce que j'ai streamé c'était un peu la bêta. Ouais. Et c'est des maps qui arrivent plus tard en fait. Et mais ça... du coup la deuxième map de la bêta arrive quand même dans le jeu. Dans l'espèce de manoir là? Ouais un peu chiant. Ouais bah je pense ouais. Parce que moi j'ai pas passé ce monde là encore moi. D'accord. J'ai voulu le mater avec toi. Iron quoi? Ah c'est un stream pas un Forgecast. C'est vrai que depuis tout à l'heure on déblatère un petit peu au niveau des films et quoi quoi? C'est qui les streamers assez fort? Vous aimez pas qu'on parle de films? Vous aimez pas les films peut-être?
C'est ça, vous, ça aimez, vous aimez pas l'art en fait. Vous aimez pas l'art, vous aimez pas Doom Elimination en fait. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que je suis sûr, tu sais ce que je veux dire, je suis sûr qu'ils vont faire un film Wolfenstein. C'est obligé, parce que il est tellement médiatisé. S'il y a eu un film Assassin's Creed, il y aura un film Wolfenstein, vu que tu vois maintenant lequel genre de jeu c'est. En plus, c'est super inclusif, ils vont s'éclater dessus, tu vois. Ouais. Et je suis sûr que ce sera un réalisateur de merde. Ouais, c'est vrai, de toute façon. Et je suis sûr que ce sera Wolfenstein Blitzkrieg. Ouais. Wolfenstein Luftwaffe. Wolfenstein Iron Sky. Oh putain. Si c'est le réel d'Iron Sky qui se met sur Wolfenstein, pourquoi pas, tu vois. Ça pourquoi dépend, pas. Parce que... Enfin, j'ai pas vu le 2, mais on m'a dit que c'était de la merde. C'était de la merde, 2, ouais. On me l'a dit aussi. Ouais. Attends, je l'ai vu ou pas? Moi, je l'ai pas vu, en tout cas. B44 l'a vu. B44, si t'es sur le chat, confirme-moi, mais ouais. Oui, je crois qu'il l'a vu et il s'est endormi devant. Ouais, ouais. Et ils avaient passé le trailer à l'absurde séance de Nantes. Oui. Et qu'on avait déjà maté 3 films. Et qu'on était éclatés par la fatigue et que rien nous faisait rire, ils ont passé le trailer de Iron Sky 2 avec Hitler, la salle a hurlé. Ouais. Enfin, moi et Adouim, nous trois, on a hurlé. Adouim a hurlé, il a fait « Ah, c'est tonton !» Voilà. La honte. Mais après, tout le monde l'a suivi. Ouais, ça hurlait après, ouais. Ça faisait des « Ouh, ouh, ouh » dans la salle. Ouais, c'est plus ou moins des singes, en fait. On était un gros public de babouins, quand même. Complètement. Il est pas là, B4, et je confirme, il est chiant. Il l'a vraiment... Oui, il l'a vraiment gueulé, oui. Ouais, ouais. Le problème, c'est que Adouim, que vous connaissez dans les streams, c'est le Adouim loyal bon. Il est adorable en stream. En groupe, quand on est ensemble, qui balance des blagues horribles, il est adorable, Adouim. Amenez-le en public, et je sais pas s'il mute, ou si c'est un genre de mécanisme d'autodéfense. Je sais pas comment trop... Comment il marche. Ouais. Derrière toi, il y a un passage du coup en bas, non? En dessous? Bah, non, bah non. Okay, merde, comment on passe là? Je tourne en rond, mais... Attends, je crois que par là. Ouais, à gauche. Là, non, ça, là c'est la suite d'où tu viens? Bah, je suis arrivé t'es tombé par là, t'es tombé par là. Ouais. Hein, ça va être marrant ça. Non, tu pars remonter, donc t'es tombé par là et je crois qu'il faut aller à gauche, hein, à un moment. Il faut aller par l'exit là-bas. Par là, tu veux dire? Ouais, je crois. Mais je crois pas que tu puisses maintenant. Bah ouais, non. Non. Bon, on va se paumer un petit peu, de toute façon c'est ça le jeu aussi. Hein. Oui, et puis de toute façon c'est ce que tu m'avais dit toi, du peu que t'avais fait, le level design a l'air assez vénère. Il est vénère, ouais, il est vénère, il est pas mal fait, mais ouais. Il est vénère. Normalement tu peux rentrer là-dedans. Ouais, mais c'est par la porte jaune du coup. Non, tu rentres par la porte jaune de l'intérieur en fait. De la porte qui est à côté de toi. De là, porte jaune. Ouais, mais je crois que t'as deux sorties, ça mène pas vers le même endroit, il me semble. Okay. Mais ouais, mais merde, parce que là j'arrive ici, mais bleu. T'as quoi sur toi? T'as aucune carte sur toi? Non. Étrange. Elle va là-dedans? Je pense que c'est un inhibiteur dans son crâne qui se déclenche quand il est en présence d'inconnus et il gueule des insanités, mais sans le savoir. Ouais, c'est un genre de tourette qu'il a certainement, ouais. Ça m'étonnerait pas en tout cas de lui. Ouais. Mais en fait, ça indiquerait qu'il est pas maître de ses moyens et il l'est très bien. Il est très au courant de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Ou alors. Ouais. C'est comment? Quand il est avec des potes, tu vois. Ouais. Je suis allé là, je suis pas allé là. T'es pas allé là, oui. Fais gaffe, il y a un petit truc qui va t'attaquer. Un petit crâne. M'attaquer. Petit crâne. Il a. Oh, comment il t'a dodge! Oh mec, il t'a mis à l'amende! Bon, tu l'as enculé, mais. Ah okay, voilà. Je suis là. Et donc là, voilà, il fallait rentrer par là. Et tu peux rouvrir cette porte par derrière, si je peux dire. Voilà, ouais, impeccable. Vrai. Ah, bah ils ont pop, ouais. Oh la vache. Ouais. Le sprite work du jeu est vraiment super joli. Ouais, j'aime beaucoup. Le jeu est vraiment joli, ouais. Mais ça, c'est pas un problème, les devs et même l'équipe de Iron Maiden. Comment il s'appelle déjà, Voidpoint? Voidpoint, ouais. Ils sont bons, c'est des bons gars. Ouais, c'est des bons gars. C'est des bons gars, et le problème c'est qu'ils ont des opinions. Et que pour 3D Realms, c'est pas possible d'avoir une opinion, tu vois. Ouais, carrément. Pour les gars qui ont sorti des lignes aussi cool que... I'm gonna rip out your head and shit down your neck, tu vois. Dire le mot gay, c'est... Dire que mutiler des enfants, c'est pas top, apparemment c'est un peu extrémiste. Ouais, c'est transphobe. C'est transphobe. Non, c'est quoi qu'ils avaient dit?
Je sais plus. Et si c'est ça, c'est transphobe. Il me semble que c'était ça le. Ah bah oui, c'est ça, oui. C'est transphobe. Et merci Orange pour le sub d'ailleurs. Ouais, merci. On n'a pas vu, on n'entend pas bien le son en fait, ouais. Les subs. C'est ce que je me rends compte, parce que chez moi, mon gars, les subs, t'inquiète, t'es au courant. Ouais, bah oui. Et c'est là en fait, j'ai le son du jeu est très très fort. Ouais. Et j'ai baissé le son général en fait de Windows, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Ouais. Mais bon, écoute, au moins on verra dans la liste. Je viens de voir que Uwe Boll a arrêté de faire des films et a ouvert un restaurant et il veut pas faire une chaîne et en ouvrir un. Il veut faire une chaîne et en ouvrir un à Toronto et un en Chine. Mais ce mec... C'est tous les lieux où tu peux ouvrir un restaurant sans sans trop galérer, je c'est crois. C'est 3D ça. Ouais, c'est 3D ouais. Je crois que c'était Ok d'accord. T'as pas que du sprite work hein, t'as aussi des. Je ne savais pas. Je vais 3D hein. À quand un Tross à la Mégaforge d'ailleurs, on est tous plus ou moins pédés déjà, qu'est-ce que tu veux de plus? Attends, il y a un interrupteur sur la gauche, là. Clip, je sais pas ce que ça fait, ça... On verra bien. Ouais. Il veut massacrer le jeu vidéo, le ciné et la cuisine. Il s'arrêtera, c'est un Allemand, Nick, c'est dans ses gènes de vouloir conquérir plein de trucs à la fois. Hein. On est vachement inclusif entre nous, Adwim peut confirmer. Adwim a une photo de moi sur son mur en train de lui brosser les dents. De force. Et j'ai une cagoule. et cette phrase est. Elle existe. Tu retournes par là par contre? Quoi? Tu retournes par là? Parce que t'es, c'est la salle que tu viens d'ouvrir là. Et t'as pas récupéré de clé pour avancer. Ah oui, c'est que je me rends compte. Non. Mais j'ai fait le tour là. Tu crois? À mon avis, je pense que. Il y a une échelle derrière toi? Ça non, va. C'est pas une échelle, ok. C'est moi, je m'égouré. Hey. Faut payer combien pour le série de brossage dedans? Il faut. Vous savez que vous avez plein d'avantages si vous subscribez à l'MF? Notamment! On dirait les pubs Spotify. Ouais, les pubs Spotify qui te poussent au suicide. Ouais. Vous savez ce qui est cool en illimité? Dormir! Comme Tati! Comme Tati Canette. Fan control. Donc t'as en gros t'actives un côté. Hein, tu peux juste désactiver celui-là en fait. Mais quel intérêt? Pourquoi tu voudrais désactiver celui-là? Rate ton automap. Ah t'as aucun accès en fait. Bah ouais c'est pour ça tu vois, je sais pas trop. Bah je sais pas. Ouais. Ah si, il faut redescendre. Attends. Ouais, tu peux l'activer ça? Bah. Non, c'est déjà activé. Ah d'accord, ok. C'est un peu mal branlé ça, je trouve. Ouais. Tu peux redescendre et il y a un moment où tu te fais souffler vers le haut par un truc. Par un. Comment? Un fan. Peut-être que c'est ça que tu nous activer, je sais pas. Je me souviens plus. Là, si du coup, dans ici, je suis allé, ouais, c'est pour retourner là-bas. Vends-nous ta Gamer Girl Bathwater. T'es sûr, mec? Est-ce que t'es certain que c'est ce que tu veux? Ok, et. Je suis un petit calé déjà, c'est pas grave. Ouais, non mais 15 PV franchement c'est large. Tu peux aller dans la flotte je crois. Va sous la flotte. Ouais mais c'est de là que je suis arrivé. Ouais t'es allé dans un mais pas dans l'autre je crois. Ah mais si ouais, c'est... bah déjà ouais. Yes. Tac. Ah y'a que ça en fait, ok. Ouais. On paye. On peut pas nous acheter les fringues plutôt. J'avoue que ça m'éviterait de devoir pisser dans un bain. Apparemment son resto est super d'après les critiques et il a dit c'est dingue, il faut que j'ouvre un resto pour enfin avoir des bonnes reviews. Ah oui mais aussi mec, Après il cherche la merde le garçon donc faut bah, s'étonner oui, mais... hein. Si. Ouais. Mais vous pensez pas que se paumer dans Iron Maiden c'est un problème? C'est que le jeu est fait pour. Complètement. Donc ça vient pas de nous, c'est ça qu'on est en train de vous expliquer en fait. C'est ça, c'est pas notre faute le jeu. Mais je suis persuadé que c'est dans le truc qui était ouvert avec la clé bleue hein, qu'il faut retourner mec. Ah ouais? Déjà lui ferme sa gueule ouais. Et je suis persuadé, c'est. D'un point de vue game design. Bah oui, complètement. Mais. Ouais. Il est ouvert où son premier resto du coup? J'ai pas suivi. Il va en ouvrir un à Toronto et en Chine, mais il est ouvert où son premier? Ça se trouve on pourrait aller faire un tour. C'est quoi ça? Attends, je vois pas d'ici. C'est une porte? Pourquoi une porte? Je sais pas, c'est marqué 1B. Ah. Franchement, j'ai pas envie de faire le mec, mais c'était pas évident. Hein. Franchement. Crève pas maintenant, franchement, crève pas maintenant, sinon je te viens. Je suis déjà viré. T'es déjà viré. Oh my god. Yes. Vancouver, d'accord, le premier à Vancouver, ok. À Vancouver? Mais du coup, t'en as pas ouvert en Allemagne. Ça va être plus dur d'ouvrir un resto en Allemagne.
Je sais pas, non. Pourquoi? Parce que je me dis Vancouver, c'est quand même un bled qui permet beaucoup de choses. En général, au Canada, tu vois, ils se permettent des choses. Genre Trudeau. Genre quoi? Genre Trudeau. Genre Trudeau, genre Justin Trudeau, tu vois. Qui dit ouais, on va marcher quand même contre le climat. Mais par contre, prendre des résolutions poteau. C'est chaud. Ah, c'est bien ici. Regarde ça. Damn, I look good. Tu peux pas appuyer sur E? Il y a une animation d'accroupi quand même. Ouais, hein. Quand même. C'est mieux que Doom. Que Doom et que Deus Ex Human Revolution. Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En même temps, re-rendre Deus Ex une nouvelle fois, je pense que ça doit pomper plus que rendre Iron Maiden deux fois pour faire un beau miroir, tu vois. Ouais. Après, il y a des techniques assez particulières pour faire des miroirs. Mais sur Doom, c'est marrant parce que comme il n'y a pas d'animation nativement pour s'accroupir dans Doom, Ma dernière sauvegarde date de Mathusalem. Ouais, et date de l'année dernière. Comme il n'y a pas d'animation et que tu te baisses quand même, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois juste le Doom Guy qui est... Il est tout crushed en fait, oui, oui, il est oui. Tout petit, c'est adorable. Il est dans le top 50 des meilleurs nouveaux restos du monde, ouvert en 2017. Arrête. C'est une blague. Fais voir, attends, ouais, fais voir. C'est quoi son menu là, là. Comment il s'appelle son truc? Je suis sûr que ça va être un truc raciste. Uveball Restaurant. Premier article, c'est un article de Kotaku. Les restaurants d'Uveball sont meilleurs que ses films. Eh bah écoute. Ça s'appelle Bauhaus Restaurant. Comment? Bauhaus. B-A-U-H-A-U-S. Ok. Bauhaus. In the middle of a street. Mais apparemment, c'est highly acclaimed German cuisine. Mais après, attends. Est-ce qu'il les a payés les reviews? Alors, déjà, tu... Est-ce qu'il leur a cassé la gueule? Ouais, peut-être. Mais surtout, parce que genre, c'est lui qui est le propriétaire. Ouais. Mais, est-ce que c'est vraiment lui qui gère le truc, tu vois? Bah, c'est pas lui qui cuisine, quoi, ça, en tout cas. Déjà, oui, voilà, tu vois. C'est plus est-ce que c'est même lui au management ou quoi, tu vois? Genre, ça se trouve, c'est juste lui qui paye les factures et... c'est tout, tu vois. Ouais, ouais. Attends, je suis en train de regarder le menu, là. Je suis désolé, il y a un avion qui passe devant. Non, non. Ça fait, ça fait du bruit. Je suis désolé. Le mec fait de la merde au ciné pendant une dizaine d'années et c'est maintenant qu'il décide de faire les trucs bien. Bah apparemment, ouais. Fais voir son menu un peu. Et bah déjà, en intro, il y a du caviar et des blinis. C'est fusion. Ouais, c'est fusion. Ouais. C'est mix russe Carrefour. On appelle ça. Il y a pas mal de trucs. Par contre, le menu, il est à moitié en allemand. Eh bah oui, c'est bon. Non, sur la carte... Ouh, merci pour 5 balles. Pocho 12 qui dit maintenant que je suis au chômage, je vais enfin pouvoir profiter des lives. Au revoir Team Rediff. Merci Pocho. Et bien merci, et bienvenue, toi. Bienvenue en live, on a dit ton pseudo, donc ouais. Tu existes désormais. Par contre t'as pas fait de blague de cul, c'est... Pourquoi? Bah c'est obligatoire, c'est vrai, mais il est là depuis un moment du coup, est-ce que ça compte aussi? Tu vois, parce que c'est quand tu viens faire une blague de cul, mais ça se trouve il l'a fait il y a longtemps et on l'a pas vu, tu vois. Ouais, carrément. Peut-être qu'il a... Non. Faut faire que tu saves un moment. Non. Non, ok, bah écoute, no save run de attends, la part de Momo. Voilà, PK. Je save avec. Foutez-toi dans la prise à gauche. Ah, ou au pire, prends-toi des balles dans la gueule aussi, ouais, c'est bien. Ouais, t'inquiète, ouais. J'aurais le menu, mais j'ai pas les prix. Les prix des menus, j'aurais bien voulu savoir le tarif. Cher. Tiens, vas-y, comment on réserve? On peut pas. Attends, leur d'accord, site, il est, ici, okay. Il est tout éclatax leur site, mec. Ouais, bah oui, mais. Oh, il est chum leur site. Adwim va pas voir le site du restaurant de Uveball, sinon tu vas vouloir lui péter la gueule. Enfin, en tout cas, sur téléphone, c'est de la merde. Je sais pas sur PC si c'est mieux, mais. Mais ouais, apparemment, il y a plein de gens qui sont. Contents. Ouais, il y a des 5 étoiles partout. Non, mais après, le mec. Tu payes des gens talentueux et puis tu les laisses gérer entre eux. Oui, bah c'est vrai aussi, ouais. Par contre, The TripAdvisor, le prix. Tu sais, il y a des icônes de prix. Qui vont de 1 à 4 dollars. Ah là c'est 4 dollars. Ouais. Qui à mon avis il doit se faire les couilles en or avec ça aussi. Attends. Enfin, je veux dire c'est Uveball hein. Le mec s'il fait un truc c'est pour la thune. Il est pas con le garçon hein. Il est venu à la tête des gens pour leur menacer de péter la gueule. Vous allez bien prendre un dessert mon fils de pute. Tu sais que là où j'habite, il y avait. Ouais parce que ça part mal déjà. Ouais voilà. Il y avait un petit resto à côté de la mairie, tu vois, normal comme dans beaucoup de communes, tu vois. Ouais. Et sauf qu'il y avait pas mal de monde en fait qui allait. Ouais. Et comment, je vais crever. Non.
tu mourras. Voilà, il sa gueule, et il y en a un connard encore. Il y en a encore avec une crossbow. Ouais, non, il est au-dessus. Tac, allez, tac. Je vais finir par. Voilà, impeccable. Et du coup, ouais, il y en a un autre encore, j'ai entendu. Bah, ouais. Et du coup, ouais, il y avait pas mal de monde. Et des fois, le patron du. Genre du, bah, du petit resto, tu sais, enfin, resto, bar. Ouais. Petit truc de quartier, enfin. Un boui-boui, quoi. Ouais, mais quand même assez propre, tu vois. C'est, ouais. Genre. T'avais une petite terrasse tranquille et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et souvent quand il y avait bah, beaucoup de monde, justement, et que toutes les tables étaient prises, ils viraient les clients pour faire de la place. Ah ouais? Ouais. Oh, putain, l'enculé. Ouais, vraiment, ouais. Et, oh la vache. Et maintenant, ça a fermé, tu vois. Maintenant, c'est une pizza tempo. Parce que le mec, c'était un mafieux, en fait, quelque part. Bah, plus ou moins, ouais. Lance des grenades ici, hein. Ouais, je te rappelle que t'es. C'est quoi la touche des grenades? Je crois que c'est A, tu peux en avoir avec A, je crois. A, yes, non. Non. E? Non. Bon bah écoute. Ouf. Tu l'as vu venir celui-là. Ah ouais, les mecs ils viraient, putain. Ouais, ils viraient. Et si tu veux, c'est qu'en plus ma grand-mère habitait juste à côté, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois on l'entendait, genre avec mon cousin, tu sais, on allait dehors parce qu'il y avait une petite place, tu vois. Ouais. On allait dehors jouer au foot, truc comme ça, tu vois. Et on l'entendait virer des gens, tu vois. Oh putain, mais oui, mais écoute, c'est un patron, gars, qu'est-ce que tu veux. C'est quoi la touche des grenades, putain de faire. Je sais pas. 6 7 Ouais, 6. 6. C'est bon. Genre. c'est pas maintenant du coup. Oh là là là. Yes. Dégage, grosse merde, j'ai un client qui est pas une grosse merde comme toi. Ah, c'était bien ça. Tu peux la récupérer après. Voilà, impeccable. Oh yes. N'hésite pas à utiliser les grenades, un petit peu comme dans Blood avec les dynamites. Ouais. N'hésite pas. Hein. Yes, donc là la carte jaune elle est là. Ouais, mais ça me dit pas du tout où elle est. Elle est là. Genre, je sais qu'elle existe quand elle même. Elle est sur une caisse. Impeccable. Ok, tac. Douladage, le client est une grosse pute. Le ouais, client ouais. A toujours tort. Ça pique un petit peu hein, la 3D. La 2D. La 3D 2D. Plus beaucoup de ballons. J'aime bien ce fusil. Bah oui, mais c'est à dire que oui, il a remarqué. Tu vois, regarde, tu sais où c'est. Mais ouais, le level design, je pense que c'est assez évident qu'il est quand même compliqué, tu vois. Et je sais pas, parce qu'en fait, en général, dans ces jeux-là, dans les jeux un peu à l'ancienne, les devs adorent commencer le jeu par la dernière map qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'est clairement là. Tu vois qu'en fait, ils ont raffiné leur talent sur les maps d'avant et on va tomber à un moment certainement sur la première map du jeu, tu vois. Ouais. Mais vu la complexité et la façon dont ça se passe, le scripting, la présence des clés, là où ils sont et tout. Je me dis que ouais, ça c'est clairement une map de fin, et du coup elle est super complexe. Bah ouais, carrément. Il y a plein de petits trucs planqués, il y a plein de petits passages qui servent à rien, ouais, comme celui-là par exemple. Comme moi qui... Je sais où je suis. Tu sais où tu... Ouais, t'es sûr? Ouais, ok. Parce qu'il faut prendre l'ascenseur qui est derrière toi là, à droite. Voilà. T'as la clé jaune en fait, faut revenir tout en bas. Non. D'accord. Bah écoute, on va faire comme... Bah dis donc. Oh là là. C'est Al-Qaïda. C'est où? Ils sont revenus. Comme dans Hypertension. L'autre, merde, je sais pas, c'est pas grave. Ben Laden. Il te manque. Est-ce qu'il me manque? Il va falloir que je me pose 5 minutes pour y réfléchir. Mais du coup, Isis, c'est Al-Qaïda ou pas? Ou c'est un genre de société je crois que c'est écran? Non, mais je crois que c'est justement quand Ben il est mort. Benny Ouais. T'en as qui sont. Tu sais, qu'on. Genre Splinter Cell, tu vois. D'accord, ah oui, c'est l'échelon 6 ou ouais. Échelon 4, je sais plus quoi, mais d'accord, de Isis. Donc c'est le Black Ops des terroristes, quoi. Bah ouais. Et bah ah oui, Isis et Al-Qaïda, c'est différent, d'accord. Enfin, différent. C'est différent, c'est différentiellement la même chose. Voilà, c'est juste pas le même RH. C'est ça. Ouais. Ils ont remanié un petit peu le staff, mais sinon, c'est les mêmes, quoi. Tu sais qui me tire dessus, il m'énerve. C'est comme quand tu t'es barré de FTJ pour former LMF. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Bah, la différence, c'est que je suis pas un terroriste, quoi. Enfin... Ouais, mais je pensais que la différence, c'est surtout plus utile, t'es pas mort, tu vois, mais... mais est-ce que... Tu sais, je peux tirer un peu d'argent, s'il vous plaît. Vas-y. Oh, putain, c'est vraiment de la merde, ce jeu. Attends, mais remonte. Attends, derrière toi. J'ai un petit peu du verre derrière, là. Remonte et... Oh. Void Point Cyber
kiff. Tu es en train de te faire tirer dessus à coup de lance-grenade par contre, je sais pas si c'est... Non. Ok. T'en racontes des conneries, t'as... mais dis-vous. Je sais pas, mais regarde ce que tu peux faire. Ah, et là-bas. Petit pédé. Voilà. Donc, déjà tu peux faire ça, absolument. Je sais pas si tu peux sauter sur le truc s'il y a fessé, bien sûr. Hop, tac. Et t'as récupéré en plus des grenades et une putain d'armure. Oh la vache, elle est vénère celle-là. Et je crois que tu peux... Vas-y, continue vers la droite, là, suis la coursive. Non, 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 descends là. Ouais. Et suis la coursive, là. Non, 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 en bas, ouais, vas-y, descends, là, droite, voilà, continue tout droit. Oula, ouh, ouf. C'est quoi? J'ai un truc qui est pété en bas et qui se reflète, c'est ça, c'est lui, ouais, c'est lui. Regarde, continue, en haut de l'escalier, ça, là. Excuse-moi que... Derrière toi. Ça. Il y a une petite, le petit rebord qui est juste devant toi. Ah, là. Non, pas ça, je regardais pas ça, mais justement, le petit rebord qui est là. Ouais, ça, voilà. Tu le suis. Et je te saute en face. Ouais, tu peux sauter en face. Ouais. Yeah. Tu vas me faire une petite save ici. Bon, j'ai comme l'impression que tu sauras ce qui se passe après. En fait, non, c'est juste pour pas te péter la gueule parce qu'en fait, c'est un secret justement. D'accord. Mais il est plutôt sympa. Donc il va falloir. Ouais, prends ta matraque et t'allumes ça. Tu es en train de te faire éclater par. Yes pas, comment on change de munition? Je sais pas. Mais je crois que t'en avais qu'une donc maintenant c'est bon. C'est bon, normalement ils sont écrits en fait les autres munitions. Ok, d'accord. Tac. Ça là. Al-Qaïda c'est la société de Caméra Café et Easy c'est Digix. Alors tu vois ça a allumé ça, voilà. Et en gros il faut sauter de l'autre côté, il va falloir bien timer ton saut pour sauter de l'autre côté et de l'autre côté t'auras un petit power up qu'on va récupérer pour récupérer 2-3 autres objets encore. Mais il s'allume quand je passe en fait. Non il s'allume quand tu l'actives au générateur. D'accord, et je suis obligé de l'activer pour Ouais, pour sauter parce qu'en face regarde où tu vas aller. Droite, non, gauche, pardon, là-bas. Ah oui, ok, il y a très. Ouais. Mais quoi? Il y a le truc qui a spawn encore là, et t'as plus de vie, t'as 15 de vie. T'as 200 d'armure, mais bon. Putain là. Je fais bien. Mm-hmm. Mais... Rapproche-toi juste, tu te rapproches juste, fais le spawn en fait. Il va spawn. Voilà. Non. Ça marche. Les erreurs du passé, poteau. Save maintenant. Yes. Hésite pas, hein, franchement, hésite pas. Ouais. Et du coup, faudrait prendre de l'élan en diagonale. Ah, il s'éteint au bout d'un moment en fait. En fait, faut y aller vite. D'accord, ouais, ok. Ok, faut y aller vite. Tac. Il saute et tu sautes en diagonale et je pense que. Ah! Ouh! Tac. Prends-les. Ouais. Voilà, pourquoi c'est des grosses bouts rigolotes. Pourquoi ils m'ont repoussé pendant. Putain, ça c'est bâtard par contre. Franchement, ça se fait pas. Y'a de. Merde. Il y a de quoi? Des azous dans mon quartier? Ma cité va craquer. Non, il faut que tu retournes en haut, faut que tu les butes eux pour retourner en haut parce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés en fait, des petits passages qu'on a oubliés. J'aime pas la lumière rouge comme ça, moi je préfère le brun comme Adwim. Il est brun Adwim? Ah oui, il est brun Adwim. Mais est-ce qu'il parlait de la chemise brune? Est-ce que c'était une allusion nazie? Tu remarques que les chemises brunes c'est pas les nazis, c'était les espagnols, non? Ah, peut-être que c'est une blague sur le fait qu'Adwim est espagnol. Ah. Ou alors je pense qu'il dit juste qu'Adwim brun. Et du coup, attends, j'ai ramassé des boots. Ouais, et tu peux faire double saut maintenant. Pour aller là-bas, là? Ouais, par exemple. Ouh, merci pour le resub, The Mouette, pour le sub même. Je peux. Tu peux double saut, voilà. Qu'est-ce donc? Des petites mines rigolotes. Très bien. Je crois. On dirait des... Ouais. Et donc, du coup, ouais, on dirait des chocos. Tu peux monter là, sur le rebord. Et t'as tout fait ici, en fait? Bah du coup, ouais, je crois que tu peux monter sur le toit au-dessus encore, non? Ça, là? Ouais. Non, c'était un peu haut. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon, en fait. C'est bon. Et voilà, t'as plein de trucs en fait comme ça, disséminés partout dans le niveau. Et là, c'est vraiment pas le pire. T'en as qui sont immondes. Bennett Steam. Letting. Quoi? Non, je crois que non. Steam. Letting Co. Bennett. Bennett. Non, je l'ai pas. Non, je crois que non. Bennett. Battle.net. Ah, Binet. Ouais, Battle.net. Battle.net Steam. Je sais pas. Ah, Battle.net Steam. Ouais. Je sais pas. C'est un peu. Non, c'est de la merde. Je pense qu'on dit de la merde. Tu penses? Oh putain, Momo, qu'est-ce que c'est? Ultrasonic Radar. Oh la vache. Pardon. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, 6 spots and run. Quoi? They. Attends. Ouais. They put. Bug. Dog meat. Dog meat. In your burger. They put dog meat in your burger. Il est où le problème? Je sais pas. Remonte l'escalier, là-bas là. Ici. Et va au fond. Je sais pas si t'avais tout visité au fond. Si, non, oui, c'était l'immeuble. Ouais. On peut se barrer. Tac, tac, tac.
Et puis l'avion de chien dans la barrière, je sais pas si vous avez vu Demolition Man, mais... Ouais, apparemment, c'est... Bah, le rat, au moins, c'est bon. Ouais. Donc, le chien, j'imagine que... Après, faut juste... Tu vois, on en parlait ce week-end. Et il y a beaucoup de vegans qui disent que pour que les ceux qui mangent de la viande arrêtent de manger de la viande, il faudrait leur montrer la bestiole qui a été butée sur le paquet. Ouais. Sur le paquet de viande. C'est vraiment une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde. Et en même temps, c'est une idée géniale parce que moi, j'adorerais, moi. Bah oui, voilà. Parce que ce serait une idée de merde pour servir leurs propos. C'est ça, ouais, exactement. Mais en soi... c'est génial comme idée, mec. Ouais, il y a des petits problèmes. Je pense que c'est l'accélération parce que j'ai foutu le truc le plus classique possible en fait. Ah oui. Et je pense qu'il y a des techniques pour à moitié remasteriser le jeu. Je savais bien que. Tout seul. Tu montres une vache morte, franchement, bah je manque quand même. Non, mais toi tu manges la vache morte crue si tu veux. Mais ouais. Moi je parle juste de foot par exemple. Sur le paquet, tu mets une photo du petit cochon vivant, tu vois. Tu mets son nom, la date où il a été tué et tout. Mais je me dis, mais ouais, c'est génial. Bah, oui. Parce qu'en plus, ça sert la traçabilité de ouf. Carrément. Ouais. Tous ceux qui s'inquiètent de la provenance de la viande, bah les mecs ils peuvent checker direct. J'aurais tellement un album Panini avec les animaux que j'ai bouffé. Mais bien sûr. C'est ce que je disais, c'est que non seulement t'as de la bouffe et en plus t'as des images mignonnes. Mais voilà. En plus ouais, quand t'aimes les animaux c'est génial. Bah, quand t'aimes les bouffer et les caresser quoi. Ouais, va falloir te battre ici mon gars. Ah oui, tu les fais passer un par un, c'est pas con ça. Ils viennent à l'abattoir tout seul. C'est débile, un voisin chassait les trucs, j'ai toujours vu passer les bestiaux, ça m'a jamais empêché de kiffer mon steak. Ouais, carrément. Mais justement, c'est pour ça que tu kiffes ton steak, je pense. Carrément. Je pense que les vegans ont jamais mangé de viande, quoi. Genre, ils ont pas été comment, élevés dans l'amour de la viande. Ouais, tu penses? Je pense que ça vient de là, en fait. Mais c'est un problème familial. C'est à cause des pubs à la con, genre manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, carrément, ouais. Alors que manger 5 ribs par jour. 5 fruits et légumes par mois, déjà, je trouve ça un peu beaucoup. Ouais, moi j'ai du mal. Manger 5 ribs par jour, mon gars, ça ok. Ça pourquoi pas. 5 paires de côtes, même. Je dirais. 5 caches thoraciques. 5 caches thoraciques par jour. Il y a des végétariens ici sur le chat, j'imagine que non. Vous pouvez, hein, vous, oui, franchement, il n'y a pas vous de problème. Droit, hein. Y a pas de problème. Moi, je m'en bats les couilles aussi. À partir du moment où vous m'obligez pas à ne pas manger de la viande, tu veux. Voilà. Franchement. Je pense que les vegans sont des Skrulls, c'est Secret Invasion. Petite référence Spider-Man Far From Home que j'apprécie. J'ai bien aimé le film aussi. Donc, ouais, t'allumes ça, il y a tout un bordel ici, voilà, ça fait cramer des mecs. Ouais. Et en gros, t'auras des espèces, je dirais pas des puzzles, mais. Fais les saves de ouf, mec, fais les saves de ouf. Tu passes un couloir, tu fais une save, d'accord? Yes. On fait comme ça? Ouais, non, je m'en vais pas. Mais ils sont devenus quoi, les végétaliens? C'est qui, eux, déjà? Bah, les végétaliens, c'est comme les véganes. C'est les mecs qui mangent pas de viande, pas d'œufs, pas de poisson, des trucs comme ça. Ah, et qui, genre, ouais, vraiment rien de... Rien d'animal, rien d'issu de l'animal. Bah, du coup, bah, ils ont été absorbés. Ils sont morts. Ils ont été absorbés par les véganes. Par le warp. Bah, peut-être, ouais. Je pense, hein. Et je crois que c'est pas le même truc. Enfin, je crois que les véganes, en fait, c'est... Bah non, si, c'est ça, normalement. Je crois que c'est la même chose, hein. Les végétaliens, ils se font bully. Mais c'est juste que végétalien, c'est français, vegan, c'est américain, tu vois. Tu crois que c'est ça? Du coup, bah, c'est carrément mieux d'être américain. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est parce que c'est pour ça, du coup, que tout le monde, maintenant, plus personne mange de la purée, mais par contre, du smoothie, ouais. Ouais, voilà. D'accord, ouais. Ok. Des purées de carottes, plus personne en bois, tu vois, mais par contre, du carotte smoothie, pas de problème, quoi. C'est ça. Merde. Oui, alors oui, ça, c'est un nouvel ennemi. Bon, il y avait pas dans la bêta. Et c'est une espèce de mille pattes, qui est assez marrant parce qu'il est fait en sprite. De mille pattes acides, en fait. De mille pattes acides, ouais, c'est ça. Okay. C'est marrant, on dirait un nom d'un bonbon qui donne l'envie de bouffer un petit mille pattes acides. Parce que les vegans, c'est jusqu'aux cosmétiques et aux fringues et techniques. Ah oui, d'accord, c'est un genre de sous-culture, en fait, le véganisme. Ça implique quoi? Ça implique un kéfier? Un vélib? Vélib? Non? Ou un... Juste vélo, je pense. Un vélo à panier, peut-être? Tu vois ce que... Oula. T'es sûr de ton... T'inquiète, Tony Hawk Pro Skater, là? Ouais, voilà. Putain, t'arrives à combattre... Ouf. T'arrives à combattre le vent, quoi. T'es ouf. Bien ouf. Sûr. Tu devrais... Yes. This isn't really the type of ventilation I specialize in. Alors, ça, d'accord, elle raconte des blagues. Shelly Bombshell raconte des blagues. Elle s'appelle Shelly Bombshell. Ouais. J'ai pas montré, je crois, les designs originaux de Shelly Bombshell. Tu les avais mis sur Discord, je crois. J'avais mis sur Discord et sur Twitter. Attention. Maman. Maman.
Maman. Mais les designs originaux étaient ultra vénères. La meuf, c'était une espèce d'Amazon à moitié à poil avec des lunettes de flic, une matraque. C'était très très cool. Mais ils ont plus le droit maintenant. C'est interdit. Tu peux pas. Mais c'est même pas vraiment qu'ils ont plus le droit. Enfin. Non, ils ont pas. Ils l'ont retravaillé, c'est tout. Oui, ils, c'est tout. C'est ils ont juste voulu retravailler vraiment... le personnage. Ça a pas été genre. C'est pas une décision politique, quoi. Tu crois? Je pense. Je pense. Enfin, je pense pas. C'est-à-dire que. Shelly Bombshell, dans le nom, c'est induit qu'elle est ultra bonne. Ouais. Elle c'est censé être une putain de bimbo en fait. Ouais. Bombshell quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Après je comprends la nécessité, ou la nécessité, j'irai pas jusqu'à dire nécessité, mais je comprends l'envie, tu vois, de faire un autre personnage. Mais bon, les designs sont vraiment super stylés. Ça va? Non, je suis un AVC, aide-moi. Il y a du rule 34, mais il n'y a pas besoin. Hein. Franchement, pour le design original, il n'y a vraiment pas besoin. On dirait du fluide glacial. Oui. On dirait ce qu'il pourrait mettre dans l'écho des savanes ou fluide glacial, en fait. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment. Et Ouais, c'est quelque part, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. On s'en bat les couilles. Je sais pas ce qu'il montre, en fait. Aucune idée. Ok, il montre une caméra. C'est quoi? Bitching fast, déjà voodoo. 3000 balles. 3 fois Pentium Speed, waouh, mec. Killer refresh rate. Des bus PCI. Mec. Ah, oh, putain. Mais comment on va faire, mec? Ça sera jamais obsolète. Yes, je crois que ça va faire spawn des nouveaux copains, justement, là. Dans le couloir, des petits mille pattes. Je me souviens de ça. Ouais. Ouf. Et normalement, tu peux dual wield ceux-là. Bah, dans la démo, je me souviens que oui. Mais je sais pas comment on fait, je sais pas s'il y a une touche ou va voir, mais Non. Yes, vas-y, charge la partie au début. contrôle. Keyboard. Configure key. Je sais pas. Rien que le bon menu à l'ancienne. Ouais. Alt-Fire, c'est quoi? Right shift. Alt-Fire, c'est quoi? Right click? Non, right shift. Non, ça c'est walk. Alt-Fire, y'a rien en fait. Non, c'est pas. T'as pas le droit. Mais c'est quoi clic droit? Déjà? Clic droit, je sais même pas, j'ai même pas utilisé. Je crois que c'est... Descends voir s'il y a clic droit qui a été affecté déjà quelque part. Bah non. Mais ah non, c'est dans les contrôles de souris, du coup. Bah oui. Du coup, ils doivent y être, en fait, dans les contrôles de souris... Mouse setup. Mouse setup. Button assignment. Ouais. Fire, alt... Bouton 2, c'est alt fire. Ah, alt fire. Ok, d'accord. Ok. Ok. Mais pour le dual wield, en tout cas, je sais pas. Y a pas des gens qui l'ont fait, le jeu, sur le chat, là, qui pourraient nous dire? En tout cas, là, y'a pas de... Non, mais y'en a une avec ton Loverboy, ton flingue. Oui, il s'appelle Loverboy, ouais. Oui. Ouais. Et ça fait le High Noon, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis paumé, je sais plus. Pardon? Tac. Par là, j'imagine. Y'a un mode Shelly Bombshell sur XCOM 2. Ah, tiens! Ah bah, dis donc. C'est marrant, ça. Et donc, tu vois, il est fait en sprite, c'est marrant, hein. Ouais. J'aime bien sa gueule. Là, par exemple, ici, le level design, mon gars, je le trouve bordélique, un truc de fou. Quoi. Ouais, content. Et je sais pas, tu vois, on en parlait, et je sais pas si c'est une bonne chose là ou une mauvaise chose. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est juste parce que moi je me paume facilement. Bah, même moi, tu vois, je me paume. Ouais. Pourtant, je suis sans être un maître du don de paumage. Ouais. Genre, ça va. T'es pas un moine Shaolin du map design, quoi. Non, okay. Mais genre, ça va. Et là, pourtant, je me paume de ouf. Ouais. Je sais pas. Je saurais pas dire. Mais je pense quand même qu'il y a une demi-mesure, tu vois, entre ça et Tomb Raider. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aïe, yeah, dis donc. Ça brûle. Un manque de civisme pas possible, mec. Hein. Ouais, ça m'énerve. Donc ça c'est... Mais ça, c'est d'être pour ouvrir ça, non? Ouais, c'est ça. Ouh. Ouais, yes. Sons, ouais, okay. Impeccable. Et toi, t'as quoi à me dire? C'est la même? Mais là, il te montre juste que la porte est ouverte, en fait, mais... Ah oui, d'accord. Oui. Je sais pas si c'est forcément, en fait, censé te montrer un truc important. Je pense que c'est juste du flavor... Oui, je pense. Pour la déco, en fait, limite. Bah, je pense que ça te montre, en fait, que je sais pas si t'as vu, mais sur les deux côtés de la porte, il y a des lumières. Ah oui, et peut-être. C'est juste pour te dire, pour t'indiquer que... Voilà. Ouais. T'es au seuil de la mort de façon assez constante. Oh. Tu fais un petit foot. Comme dans le film. On a commencé à regarder un film avec Momo. Ouais. Comment ça s'appelle? Game Over. Game Over.
Et en fait, on s'attendait à un film. Un peu mignon. Un peu mignon, tu sais. Enfin, de l'horreur, mais un peu mignon, quoi. Avec quelqu'un qui se transportait dans un jeu vidéo et tout, un peu à la chair de poule, tu vois. Et dès le début, il t'accueille avec un truc à la Manhunt, avec une nana qui se fait. Comment. Attacher les mains dans le dos avec un ziploc. Et avec ouais. un sac plastique sur la tête, ouais. elle se fait décapiter, le mec fait du foot avec sa tête et il crame le corps. et on s'est dit putain ok c'est vénère. Et c'est un film indien. Ouais. Et ça m'a vachement étonné parce qu'en général ils montrent pas de violence les indiens. Après j'imagine que c'est un genre de film indépendant ou un truc comme ça. Le framerate il galère là. Hein. Il chie un peu ouais. Peut-être à cause de la V-Sync, le jeu est en ultra partout je crois. Mais ça vient. Enfin. C'est que le jeu il est mal optimisé parce que. Oui, oui, oui. Alors, oui, ici c'est la merde. Ici, ça va être la merde, un petit peu. Et oui, mais en fait, il y a que l'intro qui est comme ça, qui est ultra vénère. Ouais. Ensuite, t'as une heure et demie de la meuf qui bade parce qu'il lui arrivait un truc. Elle a peur du noir. Un nouvel an, mais elle a peur du noir, ouais. Et ensuite, là, je crois qu'elle est, elle vient de se faire décapiter encore une fois, mais elle respawn. Ouais. Et c'était pas clair. C'était pas évident. Donc. C'était pas évident, ouais. Y'a pas à dire, chier dans la rue, ça donne des idées cheloues pour la mise en scène. Bah ouais. Oddly shaped veggies. T'as compris, c'est une blague sur les grosses bites. Ouais. Ok. Si, j'ai entendu l'autre gueuler là. Oh bah vert, je crois, non. Ah ouais. Je sais pas. Un truc à pute, ça. Ouais. Un truc à pute. J'ai des mots qui sautent. Ouais, ouais. Et t'as vu, il est joli quand même le jeu. Oui, j'aime beaucoup. Il est vraiment super joli. Ce design, ouais. Mais ouais, j'avoue que moi, le level design, il me. Ouais, ouais. J'arrive pas à dire qu'il me révulse, mais ça m'empêche quoi. Ça, je comprends. J'ai que une nimole. Je suis pas full blown out bonheur quoi, tu vois. Ouais, non, mais ouais, carrément. Je comprends, ouais. Je... Pour l'instant, tu vois, c'est trop tôt pour que je m'exprime sur ce sujet. Oh, d'accord, je demanderai à ton avocat avant. Voilà, ouais. C'est save maintenant que t'as chopé de la vie. Oh, yes, t'as. Des grosses bites, c'est important pour garder une copine. C'est bien pour ça qu'elle t'a largué. Sur le chat, quand même, restez civil, le pauvre garçon. La taille, ça compte pas, c'est le nombre de bites que t'as qui compte. Exactement. En dessous de 4, en général, les meufs, elles se déplacent pas, mec. Hein. Ouais. Parce que comme ça, tu peux faire un genre de roulement. C'est comme les dents de requin, qui ont un genre de tapis, tu vois, ouais, qui défile tout au fur et à mesure. Là, c'est pareil, t'as une tubie qui... C'est quoi, c'est marqué 6-6, non? Sur le truc. Ouais, c'est ça. Le Mac Monster. Mac Monster. Attends, faut le proposer à Spider le Mac Monster, je pense que ce serait son truc. Mac Monster 6 viandes. T'es où? Mec, à vous, Spider, attends, on a une idée. MDR. Lol, retourne auprès du Mac Monster. Tu mets une viande par étage. Ouais. Tout en bas, tu mets des nuggets, ensuite un cordon bleu, du boudin. Étage d'au-dessus, une andouillette. Mais c'est, après, je sais pas si c'est. Bah, Spider, c'est quand même. For the true American. Ah oui, il est pas vraiment américain, Spider. C'est quoi qui a écrit en dessous? From the true of the valley, quoi. T'as vu qu'il y a 10 000 calories? Ouais, bah oui. Ouais. Tu connais leur. Leur devise, les américains. Live fat. Eat oil. tu peux pas éclater ça? D'accord, ok. Ouais. MTE qui dit t'as pas un gars qui a deux tubis. Moi, personnellement, non. Ça doit exister, ça s'appelle la diphalie, je crois. T'en connais des choses? Non, on en a parlé avec Edwin. Ah d'accord. Et je crois que ça s'appelle la diphalie, et ouais, le mec, il a deux zizi, ouais. Mais je sais pas s'il y en a un qui est pas, genre, inactif. Ah ouais. Il se réveille que quand il est appelé par les Avengers. Hein. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, mais en même temps, ouais, c'est chiant. Bah oui, parce que... Non, mais à mon avis, c'est qu'il a pas une anime assez... Il peut pas... 900 watts milli, hein. Ouais, bah oui, sinon. Ça va la ville, hein? Pégam. Vas-y. Ça y est, mais vas-y. Je sais. Oh! Quoi? Oh! C'est quoi qui est marqué? Fais-le en boucle. Presse E, tout. Use. Ah, oui. Tout reload. Ah, presse. Ah oui, bah, t'es en train de mourir en boucle, en fait, bah, depuis tout à l'heure! Et vu que j'appuie sur E, en fait, ça me. D'accord! D'accord. Ah, je comprenais pas, merde. Attends, on vient de te faire buter combien de fois, poteau? Ah, voilà, pour le coup. C'est la diphalie russiale. Ouais, c'est ça que j'ai dit, non? La diphalie. J'ai dit ça, j'ai fait diphalie, ouais.
Allez sur Google, et tu sais quoi, je vais chercher sur Google. Vas-y, vas-y, montre-moi des images. Je vais te montrer des images, ouais. Diphali. Ça pensait à Nafis Atou Diallo à chaque fois. C'est qui elle? J'entends beaucoup sur le. C'est la meuf qui s'est fait toucher par des SK. Ah oui, elle. Ouais, je vais pas. Ah. Ah, t'es pas tombé sur la bonne photo. Ah ouais, non, je suis pas tombé sur la bonne. Hein. Non, non. My life with two penises. Ah, il y a des photos marrantes quand même. Ça, c'est dégueu. Il y en a qui sont dégueu. Il y en a qui sont vraiment. Bah, ouais, il y en a dégueu, ouais. Les meufs, ah. Mais il y a du monde ici, cassez-vous là. C'est franchement, ouais, la map elle devient vénère, ouais. Et du coup, je pense qu'on est toujours. On est dans M1, E1, M2 en fait là. Ouais. T'as passé une map déjà? J'ai envie d'aller là. Bah oui, tu m'étonnes. Tac, 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 y'a plein de monde de l'autre côté, ça m'énerve. Tiens, on peut poser des questions à un mec qui a deux tops sur Reddit, dit Hoffman. Demande-lui s'il y a pas une en rab. Si, je sais pas si ça se prête entre copains, je sais pas. Deadcum m'a dit qu'il y a un acteur qui a deux gégou et qui s'en sert des deux. Putain, mec, il a du multitasking. Oh. Ça c'est stylé. Ah, c'est là que c'est ça qu'il faut que tu t'actives là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ok. C'est quoi? Du coup, ensuite j'active. Et ça active. Un pont. Ah, d'accord. Et ben moi, je crois que je me suis arrêté là. D'accord, ok. Donc tu vois, j'ai pas vraiment pas fait beaucoup. Ouais, t'as fait. Ouais. Et là maintenant, si jamais on est paumé. Ah vache. Si jamais on est paumé, là c'est la merde. Déjà que avant c'était pas top. C'est ouais. Ça y est. Je me galère la chatte un peu. Un peu, ouais. Tiens. Y'a un pseudo qui voulait dire prolapse. Il a dit prolapas. Et j'ai l'impression que c'est un genre de petit restaurant espagnol qui a l'air super délicieux, vraiment le prolapas. Qui fait des tapas fusion. Des tapas, oui, des tapas fusion. Avec que de la viande. Ouais, ouais. Et des trucs, des formes un peu spéciales, mais je suis sûr que c'est très très bon. J'adore les shaders aussi. Oui, ouais, c'est joli, hein. C'est quand même bien foutu. C'est, ça s'appelle de l'alpha. Alpha Lighting, je crois, ou l'alpha Reflection, je sais pas quoi. J'arrive et on parle de mec avec deux boobs. Tout va très bien par ici. Bah, encore, ah, on se calme un peu. Ouais, quand même. Me dis pas que t'es étonné, quoi. Attention. Ouais, attention. Ouais, non, on voit pas. Plus tard. Ouais, t'as récupéré l'armure, du coup? Non, c'est pas ici l'armure, là. Non, c'est, je sais pas si. Ah, Burger. Il brille? Ah non, 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 il brillait pas. Il est très très beau ce burger low poly là. Low poly Lores. Il est très dur aussi, je peux marcher dessus. Dap-le. C'est dégueulasse. C'est... Je suis sûr que c'est ça en plus. Je suis sûr que c'est ce qu'on croit. Je suis sûr que c'est du bon gros sperme. Tu penses que je peux choper l'échelle là? Oh, oui. Ouais, alors, les échelles c'est toujours un business un petit peu tendax. Tac, déjà, ça fait du bien. Donc tu fais partie de la GDF. De la Golf Defense Force, je suppose que dans la guerre du Golf, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire GDF. G, je sais pas. Non, aucune idée. Mais attends, mais je suis. Ouais, ok. Ok. La fameuse sauce blanche. Eh oui. La meilleure. Oh, ouais, chier. Tu prends quoi avec tes kebabs en général, toi? Biggie? Yes. Bon. Il y en a d'autres? Tu prends un samouraï? Fais gaffe, faut pas que ça tue, faut pas que ça tue. Ouais, non, ouais. Je prends, ça dépend. Biggie, ça m'arrive, ouais. C'est pas mal, en vrai, j'ai découvert la sauce Biggie il y a pas longtemps avec Spider. Ah ouais, bah t'as vu, c'est pas mal. Parce qu'il a un goût Biggie, ouais. Et je me suis dit, en sauce, ça doit être bon, tu vois. Le level design est vraiment nickel dans ce jeu, c'est très beau, mais ça colle pas du tout avec ce type de jeu. Ah si, ça colle si. Je trouve que ça colle avec le type de jeu, c'est du build engine à la merde, Duke Nukem. Ouais, ouais. Et Duke Nukem avait aussi un level design qui était un peu compliqué par moment, mais pas autant. Le problème c'est que là c'est beaucoup beaucoup vraiment beaucoup, quoi, je trouve. Ouais. Tu peux t'asseoir dedans? Je pense que je peux faire la... Tu peux pas activer ça? Oh. En fait j'ai vu ça, tu m'as dit tu peux l'activer, j'ai appuyé, au moment où j'appuyais je me suis dit je sais ce que c'est. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés à l'ancienne où t'as une partie du décor qui est dans un dessin qui est pas tout à fait pareil et tu sais que ça va péter un moment, tu vois. Mais tu l'as vu celle-ci là? Ouais, elle est en or. Bah j'ai l'impression. Mais t'as vu, c'est super bien rendu, je trouve. Oui, même le papier cul, en fait, il est en or. Tout est en or, en fait. Restricted. Restricted, oui, d'accord. Duke Nukem 3D, c'était raisonnable à C3. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Duke Nukem 3D était compliqué, mais c'était manageable. Tu pouvais quand même te
peut démerder assez facilement. Ouais. Là, c'est vrai que à des moments, c'est pas clair du tout, quoi. Non. Et je pense justement que ça va faire ça sur les premières maps, vu que c'est les dernières qu'ils ont faites. Et le premier épisode. Mais ensuite, non, c'est pas les devs, c'était Jésus. Enfin, c'était un Jésus-like, quoi. Ouais. Je pense que dans les maps d'après ou dans les épisodes d'après, ça va pas être pareil. Je pense. Je pense aussi, tu vois. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Et dans Digimon 3D, je me promets aussi à fond. Et là encore. Ouais, t'as plein d'angles de caméra qui tombent plein de trucs, mec. C'est chaud un peu. Ah, mais attends. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est joli ça. Ah, mais il me montre eux en fait. Salut. Ouais. Attention. Eh oui. Le problème en fait, c'est pas forcément que tu te paumes. Enfin si, en fait, le problème c'est pas que tu te bloques, c'est que tu te paumes. Sur tout ça en fait, ouais, parce que là on en est. À chaque fois qu'on est paumé, on a toujours un endroit où aller, tu vois. Ouais. Dans Duke Nukem, t'avais vraiment des moments. Playboy. Je vous rappelle qu'à côté de chez moi, il y a un club de striptease qui fait danser des robots. Je fais pas là. Non, t'es au cul de 50. Ah oui, très bien. Et oui, tu te paumes, ouais, mais tu te bloques pas. Dans Duke Nukem, c'est vrai qu'il y a des moments où je savais vraiment pas du tout comment avancer, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, ouais. Que suis-je censé foutre? Niquer sa mère déjà, lui, voilà. Ouais. Regarde autour un petit peu, c'est pas un genre de. Oh, ça c'est chum! Ça c'est pas beau, Void Point! C'est pas professionnel. Non, ça c'est pas professionnel, hein, putain! Je peux. Tu crois que tu peux. Ah non. Ouh! Ouh! Okay, toutes tes munitions! Et tu pouvais faire ça en fait, ok. Non, tu dois sauter, hein, tu dois sauter au boulin, regarde. Là? Je suis sûr que ça passe. Attention. Yeah, ça passe. Que dalle. T'es sûr? Ouais. T'habites dans un mini cyberpunk 2077. Ah bah, Nantes, c'est le City of Dream et Namobi Dreamer. Je pense. Voilà. Il faut un genre de jetpack. Qu'il faut la oui. Mais où? Bah là. Ah oui. Ça doit être ça, je pense. Ouh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Le jeu, il commence à avoir un petit peu de mal. Qu'est-ce que c'est que cette emmerde là? Tu te fais tirer dessus là, non? C'est ça qui fait chier peut-être. Ouais, je peux tirer. Non, il y a un connard qui a pop de côté là. Monsieur, pas de soucis. Ça devait être le cadavre qui fait. Et ça l'a désactivé, ouais. Ça l'a désactivé du coup. C'est pareil que l'autre, c'est un timer en fait. Ouais. C'est un timer, mais faut quand même pas y aller tout de suite, j'ai l'impression. Ouais. Et je t'aurais bien vu faire une save, tu vois. Ouais, non, mais. Ouais. Yes. Tac, mais s'il y a un autre qui me tire. Va-t'en. Une fois, je suis allé faire des courses. Et quand je vais faire des courses, je passe devant le club de striptease, tu vois. Ouais. Et enfin, ils s'appellent pas ça un club de striptease, ils appellent ça un gentleman's club. Ouais, bien sûr. Évidemment, tu vois. Et c'est comme LMF, tu vois, c'est une gentleman's channel, tu vois. Ouais. Sinon, c'est vulgaire. Ouais. Sinon, c'est trop vulgaire. Et il y avait des mecs qui sortaient des trucs, des tapis. Enroulé, tu vois. Ouais. Déjà, c'était bizarre. Ouais, déjà. Et ouais. Ils sont rentrés dans un énorme SUV Mercedes aux vitres complètement teintées. Même le pare-brise. Ah ouais. Et je crois que c'est pas très légal en plus d'avoir le pare-brise teinté. Et eux, on avait rien à foutre. Ouais, tous ouais. En costard noir, crâne rasé. Sauf un avec un bouc. Pas sur la tête, hein, sur la bouche. Ouais. Et pas l'animal, la coiffure, enfin la barbe. Mais et ouais. Non, mais je veux être sûr que c'est clair pour tout le monde, tu vois. C'est clair pour moi. Ok. Et je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas dans mon quartier en tant que. D'activité subsidiaire, tu vois. Ouais. La mafia nantaise. Ah ouais. Non, mais faut pas déconner avec un mec. Hein. À Rennes, il y en a de la mafia. Hein. Bon, c'est des manouches. Oui, mais il y en a une. Hein. Ouais. Mec, ouais, ils ont des armes automatiques, les gars. Ils sont vénères, hein, à Rennes. Non, mais bien sûr. Hein. Faut pas croire, hein. Les seules choses que t'as le droit d'avoir teinté sur ta caisse, c'est les vitres arrière. Ouais. Ah oui, du passager en fait. Vitre, ouais, voilà, je crois. D'accord, pas la vitre du coffre. Vitre du coffre, je crois que si. Ouais. Je crois que si. Une vitre du coffre et plage arrière en fait. Et plage arrière. Ouais. D'accord, ok. En gros, bah toute la moitié arrière, je crois. Ouais, ok. Je ouais. crois, hein. Je peux me tromper. Donne-moi un petit. Ça va niveau vite et bien. Ouais, ça. Mais ça va vite. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du coup? Parce que là, tu découvres complètement en fait. Complètement. Tu l'avais pas touché du tout, même en bêta. Si, en bêta, si. En bêta, si. Ok. J'ai fait la bêta. Ok. J'ai fait la bêta et. Ah, tu retournes là en fait. Mec. Ah ouais. Mais non, mais derrière toi, regarde. Derrière toi, il y a les légumes de bite là. Ouais. Mais. Et du coup, bah, tu continues par là-bas, ouais. Ah, et ça, c'était fermé avant. J'imagine. Oui.
Non, mais je réfléchis. Oui, je sais pas, mec. Ça, c'était ouvert, t'es déjà passé par là? Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, c'est la grande porte était fermée, ouais. J'entends des gens parler là, arrêtez. Ouais. Mais oh! Tac, tac, tac. Les vitres avant, c'est interdit. Avant, c'est interdit depuis un an. D'accord, ok. Ok. Faut pouvoir voir le chauffeur, ok. Au cas où il roule. Tu peux pas retourner en arrière, frère. Non, c'est pas. T'as pas le. Donc, look back, mec. Si comme disait Gwen Stefani. Gwen Stefani. T'es pas dans l'espace girl. Non. Quoi? Tu crois? Mmh. C'est celle qui chantait All About Girl. Ouais. Est-ce que vous pouvez vérifier sur le chat si elle était dans les Space Girls, s'il vous plaît? C'est quoi, j'ai vérifié moi-même? Ouais. Je leur fais pas confiance. Alors attends, on va déjà vérifier ça. Et ensuite, je vais vérifier pourquoi tu sais ça, d'accord? Mais parce que j'adore. Ouais, non, mais attends, on va voir. Alors, on enlève la Diffali et on cherche Gwen Stefani. C'est une Space Girl, elle. Attends, voyons voir. Je sais pas, hein. J'ai peut-être des bêtises. Auteur, compositrice, interprète, styliste. Une connasse quoi. Ouais, je crois. Ok. Religion, église, catholique. Cheveux blonds. Tessiture, mezzo-soprano, contralto. C'est super profond, ouais, Wikipédia. C'est beau quand même. Genre artistique, pop rock, new wave. Rétro wave. J'ai pas l'impression, poteau. Ouais, non, moi je me trompe. Elle étend sa collection en 2005 avec la ligne Harajuku Lovers avec une forte inspiration de la mode de la culture japonaise. Ouais. Chaud quand même. Mais je crois que non. Hein. Mais au pire, regarde la page des Spice Girls et regarde les membres. Elle aurait été Scary Spice. Ou Brown Spice. Non, Brown Spice. Non, mais du coup, je suis en train d'écrire Spice Brown. Spice Girls, fais voir. Groupe de pop. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Victoria Beckham? Ouais. Ah ouais. Donc il y avait Victoria Beckham, Melanie Chrisholm, Melanie Brown, Jerry Halliwell et Emma Bunton. C'est Jerry Halliwell que tu confonds, non? Oui, je pense. Ok. Et attends, parce qu'elles avaient toutes des pseudos, en fait. Bien sûr. Une nouvelle forme de féminisme. Pour qui? Non. Il y a Hoffman qui dit Gwen Stefani, elle était dans No Doubt. Alors pareil, Hoffman, on va en parler après le stream pour savoir comment tu sais ça, parce que mais ça m'inquiète, mec, un petit peu. T'as jamais écouté l'espace girl? Bah, à part... T'avais voiture, moi, en fait, tu veux le voir. Et encore, écouter, j'ai entendu plus qu'autre chose, quoi. Bah, du coup, tout à l'heure, on va regarder Small Soldier et tu vas l'entendre. Ah, et du coup, ça doit faire quel effet En vrai, tu verras, c'est marrant. Ok, d'accord. Vraiment, c'est pas une blague. Les membres... C'est vraiment marrant, pas marrant, genre... Daredevil, d'accord. Evanescence, tu vois. Okay. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant, marrant, ok, d'accord. Enfin, si tu le remets dans le contexte, évidemment, parce qu'on est en 2019. Bon, tant que c'est pas Daredevil, franchement, il y a pas de problème. Donc, Jerry Lee Wells, c'était Ginger Spice. Victoria Beckham, c'était Posh Spice. Donc, la riche, quoi. Mm-hmm. Melanie Brown, c'était Scary Spice. D'accord, faut que je t'y vais. Melanie Chisholm, c'était Sporty Spice. Et Emma Bunton, c'était Baby Spice. Ok. Moi, j'aurais été. Big Spice. Billy Spice. Snoop Spice. Billy Spice. Dr. Spice. Alors, putain. Là, je sens que je vais me paumer là, tu vois. Mec, depuis hier, j'ai dit Gwen Stefani de recommander sur YouTube. Je vois passer du No Doubt, It's My Life et What You Waiting For, H24. Little Spice. Mais les recommandations YouTube, elles sortent pas de nulle part, mec. Hein. Non mais parce que là tu dis ça comme si c'était pas de ta faute, mais ça c'est l'équivalent du mec qui dit mais attends, vous étiez habillé comment? Ouais. Sauce Biggie Spice. Ah merde, t'es retourné en vie pas sereine. En vie pas sereine, ouais, en vie stressée. Mec, j'écoute des groupes allemands à Winky Nazi. Ouais, et et autre chose visiblement. Et autre chose, visiblement, ouais. Mais merde. Parce que c'est pas en écoutant du Bourzoum que tu vas tomber sur Gwen Stefani, mon petit Hoffman. C'est là, du coup. Il dit la vérité. C'est qui est... Il y a le Scholar of Memes qui dit, il dit la vérité, mais lui, il est pas un peu nazi le... Mais c'est pas... T'es son avocat ou... Messieurs, il faut raison garder.
Il y avait plein de flèches qui menaient à un truc aussi après. Je pense que, bah ouais, quand tu montes vers la gauche, tu vois de l'autre côté là-bas. Il y a plein de flèches qui mènent. Ouais. À mon avis, eux-mêmes savent. Ouais, j'y suis allé. Ah oui, d'accord. T'es allé dans le dos là? Bah ouais, mais il y a rien que là. Je comprends. Mais c'est accroupi? Ouais. Ah merde, d'accord. Je peux péter ça, non? Je peux l'ouvrir ça? Oui, d'accord. Donc, comment, le syndrome grosse flèche, ça veut quand même dire que même eux, je pense que pendant les... Ils sont conscients ouais, ouais. Leur jeu quand même... Pendant le playtest, je pense que les mecs ont dû se paumer en boucle. Il y a dû avoir une partie où ils ont dit, non mais c'est pas grave, attends, regarde, il doit y avoir un... Y'a pas un petit truc... Non, sur la maquette avec les... ça là? Y'a pas un truc planqué qui montrerait qu'il y a un secret quelque part, hein? Non? Moi j'aurais fait ça, moi. J'ai pas l'impression. C'est pas des bons game designers, moi je suis un bon game designer. Ouais, bah bien sûr. Quoi? Non mais oui, bien sûr. Quoi? T'as levé designé quoi? Quand j'étais petit, je faisais des dessins avec mon pote Galad et on designait des niveaux de jeu. Pas mal. Et des tanks. Je te promets, je te... Tout le monde. Toi aussi? Mais bien sûr. Des tanks en vue sur le côté avec... bien sûr. Ok, d'accord. Vous faisiez ça sur le chat aussi ou quoi? Des bunkers. Oui, des bunkers, putain, carrément. Qui avait putain, mais 50 niveaux souterrains. Je pensais pas que c'était aussi comment répandu que ça, en fait, le design de tank et de bunker vu de côté avec une vue éclatée. Mais moi, c'était un jeu chez moi. Ah oui, carrément. Ouais, ça se joue à deux, en fait. T'avais une feuille et puis genre chacun a droit à un coup de crayon, tu vois, à dessiner un élément. Et puis à la fin, celui qui avait le plus, tu vois, il gagnait. Trop bien. Ah d'accord, donc les parties pourraient durer quelques mois, en fait. Littéralement, on disait jouer à la guerre. Comme Churchill. J'ai dessiné des voitures de gros kékés vues de côté. En primeur, on avait fait la guerre, on devait dessiner le plus possible de tanks sur des feuilles. Ouais, bah ouais. Ah, c'est pas mal. Du coup, tous les petits Allemands, ils avaient un genre de processus avec des tours de garde. Du coup, l'autre flèche. C'est des châteaux, villages, des forts dessinés en 2D. Ouais, aussi, ouais, carrément. Aussi, ouais. Et on dessinait pas mal de ça, et plus tard, genre au collège... Je crois que j'avais dessiné Wolfenstein, en fait. Enfin, des ma représentation ah, oui, de... Ah oui, d'accord. Du bunker. Ouais. D'accord. Et on dessinait ça, tu vois, et vers le collège, je dessinais un peu mieux, tu vois. Et je commençais à faire des scènes un petit peu, tu vois, death metal, black metal. Et mes profs, ils flippaient de ouf. Ils demandaient s'ils voulaient pas que je voie un psychologue. Et une fois en histoire, j'étais très bon en histoire, bizarrement, alors que c'était chiant. J'avais dessiné une place de village avec un mec pendu, tu vois, et des corbeaux, et truc un petit peu à la Resident Evil 4, tu vois, donc ouais, gentil, okay, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était en noir, et je dessinais en noir et blanc avec le sang en rouge, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'était plus facile, t'as pas toutes les couleurs, désolé. Ouais. Et la prof a vraiment, vraiment eu peur. Ça l'a vraiment inquiété, et elle me posait plein de questions. J'ai dit, à la maison, t'es sûr que ça va? Quel film tu regardes avec tes parents? Est-ce que ton frère, il te tape? Parce qu'en gros, dans ce collège, mon frère était passé avant, frère qui a 15 ans de plus que moi. Et c'était un énorme branleur qui crevait des pneus, qui cassait des vitres, un truc comme ça, tu vois. Et il pensait du coup que je me faisais taper par lui alors que c'est une crème, tu vois. Et le futur Columbine, mais je crois qu'ils étaient inquiets de ça, tu vois, en fait. Mais ça existait pas encore quand j'étais petit, ça existait pas encore Columbine, tu vois. C'était 99. 7. 97 je crois. Même, non, c'est même pas encore avant. Attends. Je crois que c'est 97. Vérifie donc, mais je vais vérifier. Ouais. Faut que j'aille où là, putain? Ah, mais faut que j'aille en dessous. Columbine. Ça tombe bien, j'adore l'eau. Shooting. 99. Ah, 20 avril 99. 99, ouais. Ouais. J'appelle pas ça un branleur, mais un hooligan. Non, il savait s'amuser, c'est tout. D'ailleurs, rien à voir. Le dessin en 2D ISO de château de village autour, la vie que j'ai choisie entre 2-3 pochettes de black metal inventées. Ah, bien sûr. Tous les enfants faisaient ça, je pense. Bah, bien sûr. Ah bah du coup c'est bon, t'as la Kimbo, j'ai pas vu. Oui, je l'ai bien débloqué en fait. Nice. Et du coup la porte jaune c'est derrière toi. Ouais. La suite j'ai, là, okay. J'ai plus d'Akimbo. Ah non mais... Une fois j'avais dessiné une scène de garde style médiéval pour la page de dessin dans le cahier de poésie, le truc qui était noté. La prof elle m'a dit, tu passeras une prochaine fois et tu referas un dessin, ça va pas celui-là. Et voilà, ouais, on étouffe notre créativité. Mais oui, voilà. Elle a tué un dessinateur dans l'œuf, mec. Et ça c'est dégueulasse. Mais bien sûr. Nos artistes ont du talent. Non mais oui. Et du coup, moi et mon pote Jocelyn était super bon. Mon pote Jocelyn, d'enfance, il est allé à des festivals d'Angoulême. Ah parce oui. qu'il dessine de ouf, tu vois. Il a commencé à faire des BD, il fait de la sculpture et tout, tu vois. Et c'est quoi? Ça fait péter les trucs, ça. Vas-y. Ah, ça a allumé tous les conteneurs d'avant, non?
Voilà, là. Ouais. Ah, peut-être. Ah oui, il est en train de faire du Tetris. Oh, regarde, regarde. Ouais, 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 tu l'as. Ouais. C'est pas mal, avoue, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas con. J'aime bien. Et ouais, mon pote dessinait des trucs bien pires que moi, avec des meufs, comment, éventrées sur des croix. Et ça, c'était un petit peu chaud, j'avoue. Est-ce qu'ils ont... Y'a pas un truc rigolo? Ouais, si la map aurait pas changé. L'Alaska, c'est contre le New Mexico, enfin contre le Mexique, c'est... Non, c'est New Mexico, ça, ou Mexique? Mais... C'est Mexique, je sais pas. Non. Ou alors, est-ce que c'est juste, genre, il y a une coupe, comme dans toutes les cartes, ah, oui. Tu sais... Ah oui, si je crois, regarde-le. Ouais, ouais, ouais. Par contre, y'a encore la Floride, c'est bizarre. Oh! Vas-y, dis-le, je suis en train de merde. Et c'est, attends, ça, c'est ça, c'est représenter une carte du monde ou y'a un gros trou dans le Canada? Bah si, c'est ça, ouais, non, je pense qu'il y a eu un truc nucléaire ouais, au... Ouais. C'est quoi, c'est Montréal? C'est le Québec, ça, je crois, c'est par le Québec. Ouais, ouais. Hein. Ok, donc je pense que je peux me barrer ici. Petite question, le logo LMF, il date de quand? Il date un peu, hein. De... 2012? 2011, même. On a designé, j'ai designé le logo à la main. Et quand je dis à la main, c'est pas genre ouais, je t'ai fait sur un cahier, non. C'est-à-dire que j'ai fait des traits sur Photoshop, en fait. Il y avait aucune ligne qui était droite, aucune ligne qui était en angle droit. Le logo, c'est une catastrophe. Si un mec spécialisé en logo l'analyse, il va se chier dessus, en fait. Ouais, il va chier du sang. Je l'ai refait récemment sur Illustrator, proprement. Mais oui, le logo est très très vieux. Le logo de LMF, bah, il a 8 ans, quoi. 8-9 ans, même, je dirais. Parce qu'en fait, c'était un logo que j'avais designé quand on avait commencé... Derrière toi. C'est là-bas. Quand on avait commencé à faire des vidéos avec Scadure et qu'on appelait ça la Forge, j'avais designé ce logo-là, déjà, et je l'avais pas utilisé. Et ensuite, quand on a monté avec les autres copains la Méga Forge, vu que Adwim s'était rajouté à nous, c'est Adwim qui a porté, en fait, le terme méga. Ouais, ouais, bah, clairement. Et là, ouais, on a utilisé le logo. Ouais. Donc c'est encore plus vieux que ça, ouais. Oh mec. C'est quoi? Big Bill's Health Cars. Mec. On dirait les pubs qu'il y a entre les... quand on met le football américain. Ouais, mec. Et hop, du coup, j'aurai les trois... Les trucs d'ascenseur, là. Ouais, voilà. Okay. Si j'ai bien compris ce que j'étais en train de foutre. Bah ouais, je pense que c'était ça, ouais. Là encore, c'est pas tout à fait évident. En fait, donc toute cette map, en fait, c'est une map. Elle est limite ouverte, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je m'en suis rendu compte dès que je suis rentré dedans, mais ouais, ouais. Et bien. Ouais, non, mais je suis quelqu'un de... Et j'ai pas besoin de rien. Non, c'est juste, c'est bon, c'est activé, j'ai le droit. Ouais. Void pot, encore. Les mecs, ils sont fiers. Bah, écoute, ils représentent, c'est normal. Bah oui, bah franchement, on ferait un jeu, mec. Va voir sur Discord, il est de retour. Ah, Colonel Viper, d'accord, ok. Non, je croyais que Hoffman parlait à moi quand j'ai dit des trucs dégueux. Je me disais, bah si... Merde, qu'est-ce qu'il est revenu? Père Fouettard. Encore. Mon père, il a retrouvé en face des clopes. Remerciez-moi pour le méga. Du don. La quoi, Academy? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, donc je saurais pas dire. On est nul en anglais, hein? Ouais, un peu. C'est pas grave. Yes, là c'est bien, là. Ouais. Là t'es bien, save. On va faire un pari. Je les garde combien de temps? De quoi, t'es sans de vie et sans armure, hein? Ouais, ouais, ouais. Je pense dans les 5 prochaines minutes, t'es déjà en dèche. Des yes. Vif. Allez, il a dab. Eh bah là c'est obligé, je suis désolé. Ouais. Non? C'est. Et c'est marqué quoi? Y'a quoi d'autre? The. Ouais. Ah ouais, ouais, d'accord. Non, okay. C'est une bouillie. Petite référence quoi. Oh. Faut se calmer, Voidpoint, faut se calmer. Mec. I did not hit her, it's not true, it's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh hi, Mike. Non, mais t'as vu ce qu'il y a, Mark's relationship counseling advice. En plus, c'est lui qui l'a cuck. C'est Mark qui l'a cuck en plus. Ouais, ouais. Son meilleur pote. Ouh, yes. Oh, hi, Mark. Tu l'as pas vu encore le film. Le film sur le film. Avec James Franco qui joue. Tommy Wiseau. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mec, il est génialissime. On mate ça après. Toy Soldiers. Vas-y, Quoi? Get the fucking jalopy out of here, je sais pas ce que ça veut dire. On dirait un truc de boss fight ici. Un peu, ouais. T'aurais pas un tir secondaire là-dessus, cool? Oui, d'accord, t'as le même tir que eux en fait. Ouais, ouais. Ok. Mais au bout de la troisième map. Isaac.
You're my favorite customer. Hi doggy. J'ai maté ce film il y a longtemps. Parce que en fait, ça va être con, mais ouais. Quand on m'a dit Mat The Room, je me suis dit, oh cool, Silent Hill. Ça va être un film un peu d'horreur, tu vois. Ouais, ouais. Et je le lance sans regarder le trailer, sans rien regarder. Et sur la page du DVD, c'est juste la gueule de Tommy Wiseau, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah écoute, ça va être un truc un peu flippant, peut-être avec ce mec, j'en sais rien. Et mec, j'en suis ressorti un autre homme, quoi. Bah ouais, je pense. C'est vraiment étrange. Mec, mais ils sont 50, mais regarde. Oh le bordel, oh la vache, le bordel. Oh là grenade, les gars. Qu'est-ce qui se passe? T'as le nombre de crânes qu'il y a par terre, poteau, là. Oh putain, la vache, ça c'est pas top top, hein. Ça, sur Doom, ça s'appelle une Blood Room, ça. Ouais, carrément. Y'a pas d'annonce de resub. T'as resub Undead? On a pas d'annonce en tout cas. Le dernier c'est The Mouet qui a sub avec Prime tout à l'heure. Mais sinon, on l'a pas désactivé. Je pense que c'est l'API qui doit un petit peu merder. Ouais. C'est pas quelque chose de stable. On voit bien avec notre bot Twitch d'ailleurs. Oui. Après, c'est peut-être un problème de Streamlabs. C'est peut-être pas Twitch donc. Tu vois, regarde. Ta vie. Ouais. Et par contre, tu vois, t'as des health packs. Et je sais pas comment tu les actives. Il doit y avoir une quick. Nous, c'est le goût. J'aime pas Quick. Ah ouais? Non, c'est de la merde, c'est dégueu. Mais je crois qu'en fait, c'est un des restos avec la qualité qui vacille le plus de resto en resto. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ouais, parce que le Quick de Vannes, là où j'habite, dans ma tête, le resto de Vannes était super bon, c'est juste qu'il y avait beaucoup de sauce. Ouais. Mais mec, je pense qu'il... Sauce. Tu vois? Mais sinon, ouais, c'était pas mal. Je sais pas, j'y ai mangé une fois, j'ai vomi. J'ai réussi à... Excuse-moi, d'accord, donc t'as pas d'acquis à ce point-là quand même. Ouais, j'aime pas... D'accord, oui. Bon, tu peux monter sur la petite statue, là. C'est ce que je me demandais, ouais. Tac, tac, tac. Yes. Clusterpuck, t'as récupéré des mines. Et ça s'appelle des Clusterpuck, parce que c'est marrant. Il y a eu un son rigolo, là, non? Ça fait... Ouais, j'ai pas entendu ça dans la boue, putain. J'ai réussi avec Prime, y'a pas 15 minutes. C'est une zone de boss, en fait. Après une couille avec Streamlab, ce serait étonnant. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais Streamlab, il part en couille. Ouais, bon, niveau secret, on peut en repasser. Donc toi, tu vas à la troisième zone, là? Ou à la deuxième? Deuxième, du coup, j'ai pas eu d'écran comme ça encore. Ah non, d'accord, donc t'as fini le... Bah, c'est pas l'épisode. Non, c'est pas l'épisode, c'est la zone, juste. Ouais. Putain, il est énorme, en fait, ce con de jeu, là. Bah, j'ai l'impression, hein. C'est quoi, great job? Oui, peut-être. Bah oui, 100%, oui. Ah oui, secret, 2 sur 31 quand même. Tu vois le bordel. Ouais, tu vois le bordel. Et bah celui de Bordeaux, il est dégueu aussi, j'ai failli vomir. Putain, mais c'est quoi ces gens qui vomissent Mais pourtant, tu vois, je. Incroyable ça. Je suis pas quelqu'un qui vomit. T'es solide. Facilement, tu vois. Mais le pauvre, il regardait dehors. Il dit, je me demande ce que ma femme pense de moi. Dans la colonne vertébrale. Comme l'autre hier. Putain, j'allais le dire. Comme Hannibal Lecter. Sauf qu'en fait, il. D'ailleurs, ah oui, non, c'est sa lame. Oui, c'est sa lame. Son katana. C'était un katana, hein, entier. Mais il était tout petit. Ah bon? Mais il faisait ça. Non. Oui, pété, oui. Non, même avant. Mais quand il fout dans la gorge du mec, c'est assez grand, non? Il le fout pas jusqu'à la garde, si? Ah, c'est si, un. Si, tu crois que c'est un Tantoki? Ouais. D'accord. Mais si, on le voit en plus qu'il le ramasse chez la chinoise. Ouais, mais je crois que c'était un katana, moi, qui ramassait chez la chinoise. Non, il était assez petit. Le premier qui l'éclate, le boucher, c'est un katana, ouais. Oui, c'est un fou le truc katana. À la Predators, là. Ouais. J'avais bien aimé cette scène dans Predators, avec le chinois qui se lève contre le Predator avec un katana, c'était classe. Le quick, c'est ok, mais par contre, le KFC d'Orvo, il m'a filé une turbo-chasse incroyable. C'est vrai? KFC, par contre, le KFC d'Angers, c'est le seul que j'ai mangé, je crois. Ah ouais? Eh bah, il est turing. Il est pas mal? Ouais. Bah, le KFC qui est sur l'île de Nantes, il est bon, hein. Par contre, le problème, c'est que quand tu te fais livrer, KFC, ils ont pas de trucs pour sceller les boissons, tu vois. Alors, comme les livreurs Just Eat et Deliveroo, si tu veux, c'est plus ou moins des Samina Seri, tu vois. J'avoue qu'il y a de temps en temps un petit poulet qui est mouillé. Mais sinon, c'est bon sur l'île. J'ai pas checké celui de Orvo, mais celui de l'île, il est bon. Bref, c'est Burger King que j'ai pas beaucoup testé et il y a beaucoup de gens qui se branlent dessus. J'ai jamais mangé. Allègrement. Enfin, si, j'avais mangé une fois, mais c'était en Espagne, du coup, je pense que ça compte pas. Ouais.
Ils ont le Mac chômage là-bas. Ouais. Le quarter chômage with cheese. Ouais, le Brock Whopper. Lille et sans Seb, ils sont cool. J'ai un pote qui travaille au KFC, du coup, à chaque fois, il me remplit le bucket. Le truc dégueule de wings. Moi, c'est les tenders que j'aime bien, moi, plus que les wings. Les tenders, moi. Un peu épicé. Ah ouais, non, moi, je ne prends pas épicé. Bah alors. Bah non, mais j'ai pas trop la bouche pour ça, moi. Ah enfin, quand je dis la bouche, c'est pas que ma bouche est pas adaptée, hein. Non, c'était pas ça, le shampoing, Non, ça, c'est un truc ouais. Vitre, ok. Faudrait qu'on essaie de le choper, je sais pas où il est. Je sais pas non plus où il est, mais je pense qu'il va falloir qu'on ouvre un petit peu l'œil. Il serait pas dans le coin, là. C'est dans une salle de bain, en tout cas. Ouais. Donc on verra ça. Burger King, je trouve que c'est exactement comme McDo et Quick, mais quand je dis ça, ça crée des émeutes. D'accord. Là, tu vis avec des mecs sensibles. Avec des actionnaires, peut-être. Ouais, peut-être. Faut voir le KFC au Japon, par ici on se fait niquer. C'est-à-dire, Adwin, qu'est-ce qu'ils ont de plus au KFC Japon? Mais c'est un truc de ouf, le KFC, je crois, au Japon. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais que... je sais pas pourquoi je pense à ça, mais les Kit Kat au Japon. Ouais. C'est une culture, là, mec, hein. Ouais, non, mais ils ont des Kit Kat stores, avec des goûts Kit Kat, mais... De ouf. Lunaire. KFC Japon, c'est quasi religieux. Ouais, non, mais oui. Putain. Tu sais, c'est marrant, j'imaginais pas. Bah ouais. Et pourtant. C'est quand même un beau pays. Ouais. J'aime bien. Le problème, c'est que tu peux pas dire que t'aimes bien la culture japonaise parce que t'as l'air d'un gros weeb qui aime Evangelion, tu vois. Ouais, bah oui. Et ouais. C'est dommage. Bah ouais, tu vois, t'es... C'est... On est jugé tout le temps. C'est dur. Hein. C'est comme si, tu vois, tu peux pas dire que... Genre, je sais pas, t'aimes les... Les Panzers. C'est vrai que c'est stigmatisant. C'est une marche allemande que je connais par cœur. Ça t'as pas le droit. Non, c'est celle que j'avais utilisée pour la vidéo de Wolf Chanceux avec Warren. Ah oui, j'ai. Et cette chanson, je sais pas pourquoi, elle m'est restée dans la tête de fou et je sais même pas c'est laquelle c'est. Mais ça fait. Ça fait une petite sobrie. Ouais. Prussian Glory, Hoffman. Mec, Hoffman, c'est Shazam. C'est Shazam des marches militaires. Hein. Shermazam, Shermanzam. Putain, Hoffman. Comment ce mec peut être aussi fascinant? Je sais pas. Et l'autre à la fois. Et l'autre adjectif à la fois. C'est la plus connue. Non, la plus connue, c'est quand même. Erika. Ouf! Ah oui, t'as plus de vie, mais en fait... Bah, attends. Si c'est Prussian Glory, ça veut dire que c'est Prusse, et c'est pas allemand. Qu'est-ce que j'ai foutu dans ma vidéo, moi? T'as mis une marche d'un pays qui n'existe plus. Enfin, il s'est transformé. Quelque part, t'avais pas quick save? Non. Putain, Alexis! Dis donc! Qu'est-ce que je t'ai dit, Alexis? Alexis! Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a une salle de bain, ici, là. Ça, si, c'est une salle de bain, ça. C'est la salle de main du Crous. Boum 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 Erika. Vous pouvez éviter de juste de gueuler Erika sur le chat, je vous en supplie. Bah c'est, on a peut-être juste une vieuse qui s'appelle Erika, tu vois. Peut-être oui. C'est genre. Erika. À table. Nine 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 nine. Ils sont tous en train de gueuler Erika en fait. Non mais mec. Y'a des problèmes. Mais oui, non mais c'est... on les connaît non? Ouais ouais, non mais c'est vrai, c'est pareil ouais. Je sais pas pourquoi ça m'étonne à chaque fois mais ouais. Je crois qu'ils redoublent à chaque fois en fait de eux. D'être Ils sont trop eux, ouais. Ouais ouais. C'est ce que je veux dire. Comme Patrick Sébastien. Et où Vébo? Ah oui ouais. Je suis encore trop bien. T'as 16, ouais. 15. Lui avant, les hitscans avant, les hitscans avant. Ouais, mais il me casse les couilles, les petites araignées. J'aime vraiment pas. Of the high, the blue, ein kleines Blumelein. Und das heißt, Uwe Boll. Viens, on lui fait une cover et on l'envoie pour voir s'il est nazi ou pas. S'il kiffe, c'est qu'il est nazi. Boum, boum, boum. Attention, tu vas claquer. Oui, bien sûr. La vache. Mais tu rushes beaucoup, je trouve. Oui, bah oui, mais j'essaie de rester mobile en fait. Mais, d'accord. Ça marche pas. Je crois que ça marche beaucoup dans Doom, moins dans Duke Nukem. Ouais. Tu peux te permettre de rester à couvert ici. Hein. Ouh, pff, la vache. Oh, comment tu l'as enculé, lui.
Qu'est-ce qu'il regardait? Oh, c'est beau la ville. C'est beau le noir. Donc ouais, tu continues encore un petit peu et puis après on fait du medieval, ouais. Ça te dit? Ouais. Ce sera un petit stream hein, ce soir les copains, oui, c'est la semaine. De... On est toujours en septembre, une fois que... Eh ben écoute, top top, c'est demain. Ouais, on va d'abord commencer à bosser. Et du coup, ouais, on n'a pas fait de Vice City, parce que c'était quand même l'occasion de commencer ça à deux, tu vois. Ouais, pouvoir discuter un peu. Mais la semaine prochaine, ouais, je ferai du Vice City. Et cette semaine, je vais essayer de vous faire la nouvelle map de Hitman. Il y a la map Resort de Hitman qui est sortie et j'ai envie de voir si on peut se déguiser avec les habits d'un mec black et qu'on peut passer inaperçu. Genre le mec Sillon, ça va toi? T'es malade? Ouais. T'as pas eu des couleurs, non? T'as mangé au quick? Mais merde, vous êtes où là? Voilà, c'est bon. C'est ça aussi le problème du game design, c'est que... Bah, je sais pas. Ils hésitent pas beaucoup, ils hésitent pas à en faire pop derrière toi aussi à certains moments. Carrément. Et ça tu fais pas. Tu fais que quand tu t'appelles John Romero, mais tu fais pas quand tu t'appelles Voidpoint LLC et que tu dois faire des stages de sensibilisation. Ouais. Un peu pale. Un peu palé. Oula. Quoi? Bah sur le truc, derrière toi. Ah non, putain, je croyais que c'était un ennemi. Ah non. En fait, l'écran, tu sais, il est, comme mon écran, il est très vieux, il est très con. Ouais. Dès que t'es dans un angle pas trop sublime, tu vois, il y a plein d'informations qui t'échappent. Oh la vache, celui-là était beau. Celui-là, respect. Putain, mais maintenant, j'ai Erika dans la tête, vous me faites chier. Pas possible, ça. C'était quoi la chanson que t'écoutais en boucle sur ton lecteur MP3 USB quand t'étais au collège? Est-ce que t'en avais? Difficile à dire. Est-ce que t'en avais deux ou trois? Ouais, bien sûr, mais... Dans le genre? Franchement, je préfère pas dire. Franchement, je préfère rester anonyme. Non mais au pire, on coupe le stream là, ouais. Tu dis, et moi post-stream je fous de ta voix, tu sais, je te donne une grosse voix et tout, comme ça on saura pas que c'est toi. Bien sûr. Alexis. Adoum, c'est la Soviet March. Et quelque part, ça m'étonne pas. J'en avais pas, moi là, je connaissais pas encore. Moi c'était, y en avait deux que j'écoutais beaucoup. J'avais du Booba. Moi c'était du DMX. Ouais. Ça existait Booba au collège? Ah mais t'es plus jeune que moi aussi. Bah ouais. Mais il est vieux Booba, mec, hein. C'est vrai qu'il est vieux Booba. Mais moi, c'était plus. Booba, c'était plus lycée, moi, que j'ai commencé à. Ah oui. Remarque, ça colle au niveau de nos âges, non? À peu près, ouais. Ouais. Mais ouais, c'était DMX, moi. Un des albums qui était sorti à ce moment-là. Et une chanson qui s'appelle We Ride Here. Et à un moment, il y avait des clics, clics, boum dans la track et j'étais trop hype. Je découvrais le rap, hein. Je pense que c'est évident. Ouais. Il y avait aussi. C'est là que j'ai pas la clé. Wu-Tang. Wu-Tang Ain't Nothing to Fuck With. Forcément. Et une chanson, j'en parle tout le temps, qui s'appelle que les gens ont appelé Resident Evil et que les gens se passaient de clé USB en clé USB. Ah oui, mais personne sait c'est quoi l'artiste. Ouais. Et c'est tout le temps marqué Slipknot, Deftones, Limp Bizkit. Il y en a aucun dans la chanson. Booba, il fait du rap depuis 20 ans, mais c'est vrai que lui maintenant c'est un triple daron. Oui, et... avant il était chez Lunatic aussi. Putain, oui, c'est vrai. Lunatic, par contre, j'écoutais avant. Ouais, Booba, voilà. Non, mais Lunatic, j'écoutais, ouais. Ce qu'il veut pas avouer, Momo, c'est qu'il avait Mr. Saxo Beat d'Alexandra Stan sur son baladeur et qu'il a passé en boucle. Non, moi, j'ai dans ma playlist, moi, Mr. Saxo Beat, t'es fou, quoi. Surtout qu'au collège, ça n'existait pas. Hein. Ah bon? À mon âge. Ah. T'avais pas Papi Chulo? Papi Chulo. Elle était insupportable, cette chanson. J'en avais pas. Mais écoute, tu rates. Tu rates un grand moment de culture. Ouais, visiblement. Non, ouais, franchement, quand t'avais ton lecteur clé USB, t'étais un peu le maître du monde au collège, tu vois. Carrément. Franchement. Après, j'ai vu un lecteur clé USB, et mon pote, j'avais un pote qui était jaloux de ça. Et tellement jaloux, il s'est acheté un putain de baladeur Arcos à 500 balles à l'époque. Et il me disait, ouais, regarde, ouais, toi t'es un baladeur de merde, moi je me fous des images. Je fais, putain, waouh, mais trop ouf. Et du coup, ça m'a tellement saoulé, j'ai pris un iPod. Mais c'est important, ça, c'est important. Course à l'armement, en fait. Oui, mais complètement. Mais c'est important, ça, les rivalités. Eh oui, tant que ça reste bon enfant, quoi. Regarde, un chien, tu l'élèves sans fratrie, ça devient une merde. Bah oui. Alors que si tu l'élèves dans la crainte constante, il se range un petit peu, tu vois.
avant j'écoutais ma musique sur ma PSP. Putain, t'avais une PSP au collège, ouais, pas. Bah, non, oui, mais lui, c'est pareil, il a 12 ans, non? Oui, il a 12 ans. Mais moi aussi j'avais une PSP au collège. Putain, mais bande de riches. Ouais, mais moi elle venait de sortir du coup. Ouais, moi elle était sortie depuis peut-être. Enfin, elle venait pas de sortir, mais c'était vraiment nouveau. Et puis c'était la fat, c'était la. Ouais, bah... La briquette. Ah oui. Ah, il y avait un mec qui l'avait amené sa PSP au collège. Moi aussi. Hein. Bah, le lendemain il l'avait plus. Hein. Je m'étais fait choper en cours en allemand. Je m'étais pas en train de regarder un film. Ah, ouais, carrément, mec, d'accord, tu t'emmerdes pas quoi. je vois l'ambiance, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, t'es en cours d'allemand en train de regarder un film, mais le film me saoulait, du coup j'ai regardé un film sur ma PSP. Tu regardais quoi? Un film que tu n'étais pas censé regarder. Attends, est-ce que tu regardais du porno en cours d'allemand? Est-ce que c'est ça ton truc? Non. Mais tu m'avais dit que tu avais pas dit que t'avais des UMD de porno? Ah non, ça c'est. Funérail? Ça c'est funérail. Ouais, j'ai pas dû me dire du cul. T'es fou. Non, moi c'était au lycée où on jouait à Monster Hunter en cours de philo. Je jouais à quoi sur PSP? Je jouais à MH aussi. À quoi? À MH. MH, ouais. En fait, je l'avais acheté pour MH. D'accord. Mais je jouais à Manhunt dessus. Et quand j'y jouais, tu sais, à des moments, t'es tellement concentré, y'a plus rien qui existe, tu vois, autour. Ouais, carrément. Et j'étais à la MDL, forcément. Ouais. Là où on avait un billard et un micro-ondes. Ouais. Plus ou moins banlieue 13, tu vois. Ouais, ouais. Et j'étais tellement dans mon truc. Y'a une meuf qui est venue me parler, une énorme conne qui s'appelait Madeline. Y'a un moustique là. Un moustique? J'ai senti un moustique sur mon bras. Lequel? Mais il s'est envolé. Non, ah, le droit. D'accord. J'allais sentir un truc qui t'a tapé sur mon bras. Et... Ah, t'es concentré, toi, je trouve. Pour ne pas pouvoir regarder ton bras, c'est que t'es concentré. Donc, je joue. Donc, il y avait une connasse qui s'appelait Madeline qui est venue me parler. Et je me suis dit, si je ramasse la queue de billard, je peux la tuer là. Et c'est là que je me suis dit, attends, peut-être calme-toi un petit peu. Joue à autre chose, Locoroco, un truc comme ça, pour te calmer un peu. Patapon aussi. Ouais, je joue beaucoup patapon, à Patapon. Ouais. J'ai essayé, mais c'est tellement aucun sens du rythme. Ah ouais, ouais. Ah merde. Parce que Patapon, le problème, c'est que tu peux pas, vraiment pas jouer sans écouteurs, quoi. Ou sans son. Ouais. Donc. Au collège, dans la classe, pendant les cours de musique, ça faisait les concours de branlette. On s'est roulé des choux. Hein. Oh mais putain. Au collège on écoutait MC Circulaire, Sodomie, notre artiste. Ah oui. Ah bah ça par oui, contre ça, oui. Évidemment. Sodomie, TTC, H Girl. Ouais, oui. Évidemment. A Girlfriend. Pourquoi je dis H Girl? Girlfriend. C'est H Doom. Je crois. Girlfriend. Putain, celle-là c'était en boucle dans la cour. Ouais. Et les profs ils étaient exaspérés parce que personne voulait s'arrêter de la chanter en fait jusqu'à ce qu'on ait fini. Et une fois en cours d'histoire, on avait un prof qui s'appelait Monsieur Chapalin. Et Chapalin, une fois, on a cru qu'il était mort, il était pas mort. Parce qu'il est dans la rubrique nécrologique, quelqu'un a vu Chapalin. Ah oui. On se dit putain, ouais, on a pas histoire. Et en fait, c'était pas lui. Et il avait fait la gueule quand tu lui as dit, mais vous êtes pas mort, monsieur? Oh, c'est pas beau ça. Non, c'est pas beau. Et une fois en cours, oui, en cours, il y avait Johan, le gros bourrin du monde, ouais, qui avait commencé à gueuler, j'aime les chats. Et Chapalin a paniqué en fait. Il a fait un genre de non. Mais je crois que moi au collège j'ai passé plus de temps en infirmerie que en. Ouais, mais y avait pas de meilleur endroit pour jouer à la PSP aussi. Ouais. C'est ça le problème de l'infirmerie, c'est trop confortable. Et puis vu que en fait tout le monde m'adorait. Oh. Non mais vraiment, ça c'était toute ma scolarité, c'est un truc de ouf. Tous mes profs, pions et tout. Ah oui. J'ai toujours été kiffé par ces personnes-là, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, j'allais à la queue, j'ai dit, hey, je peux aller à l'infirmerie chez moi le ventre. qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, je crois que je rentre dans le mur en fait. Ah non, t'es en dessous. C'est okay, okay. C'est moi, c'est moi. D'accord, ah ouais, donc toi t'avais le pass, comment on dit, branleur. Merde. La vie, les affranchis. Non, tu sais, les affranchis, quand ils vont en tôle, et qu'en fait ils sont tous ensemble dans la même cellule, ils mangent comme des rois et tout, ils se font amener des saucisses. Ouais, bien sûr. D'accord, donc toi t'étais un affranchi, quoi. Ouais. Non, moi. Ouh, c'est quoi? Love a power trip? Do you have violent tendencies? Are you prone to angry outbursts? List today! GDF, I'm doing my part! C'est génial. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. I'm sorry, but the doctor is out. You'll have to make an appointment at the institute. D'accord, bah écoute. Merci. C'est bien, mais il est aidant, je trouve. Bah, j'ai l'impression, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est le Kingpin, ouais, Momo c'est Kingpin, ouais. Dance, fucker, dance. Il avait sa carte Kiwi spéciale touchette. C'est ça.
Non, bah, il y a un truc là. Il y a pas un truc à faire là. Il y a des boutons là. Voilà. Tire dessus. C'était avec ton Loverboy, ouais. La tête. Les couilles. T'as pas fait un score de ouf. Hein. Bourrine. Shoot to kill. Bah, c'est bon, on a shoot to kill là, non? Je pense que. En plus, tu récupères des munitions donc. Et hop, ketchup et hop, c'est propre. Mais t'as d'autres trucs, t'as d'autres boutons, je crois, sur les autres salles. Ouais, mais ils sont pétés. Ah, ils sont pétés, d'accord. Et ça a pas ouvert une porte au fond, une connerie comme ça? Genre derrière, là. Non. Ça, c'était déjà ouvert, le truc de l'explosion, là? Oui, ça, c'est là où il y avait le mec qui parlait. Ouais, ok, oui, oui, exact, exact, exact. Voilà, donc ça, c'est gratuit, par exemple. Ouais, j'aime bien. J'avoue que se poser à l'infirmerie avec la PSP, c'était quand même le meilleur moment. Oh! Ah oui, d'accord, bon, je crois que c'était un hologramme. Engine Water Zombie. Ouais, l'infirmerie, franchement, c'était la meilleure pièce du monde. Bien sûr. En plus, au lycée, nous, on avait une infirmerie, tu vois, de merde, années 60, tu vois. Ouais. Ça faisait très les choristes, tu vois. Ouais. Et plus tard, ils l'ont refaite, on aurait dit une chambre d'hôtel. C'était le truc le plus chillax du monde. Ah ouais, les parties de Monster Hunter là-dedans. Même en philo, hein. Ouais. Enfin, fallait ça pour tenir. Notre prof, elle était complètement ch'tarbée. Elle avait un genre de crush sur Descartes. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Encore sur. Ouais, ok, c'est pas grave. Encore sur The Rock. Ouais. Terry Crews. Ouais. Ça va, tu vois. Pardon. Alors, Descartes, c'est pas la chevauchée fantastique, quoi. Ouais, non. Et je pense que c'était une ancienne addict au crack aussi. Donc c'était notre. Elle bougeait tout le temps et elle se grattait. C'est bien. C'est un peu comme un vieux chien. Ouais, d'accord. Oh là là. Et elle draguait beaucoup d'élèves aussi. Ah oui, bah nous, faisait... on en avait un. Ah. Qui draguait beaucoup d'élèves. Enfin. Sinon, il draguait pas d'élèves, mais il était très chaud. Ouais. C'est jamais trop évident. Mais surtout qu'en plus, c'était un vieux. Chauve, un peu bossu. Oh, mais. Il adorait une meuf un peu bohémienne qui dansait dans un marché à côté. Il allait sonner la cloche et tout. Oula. Oula, c'est un nouveau ça, non? C'est pas le même qu'avant? Si. Oui. Si. Et non, mais le pire, je crois, et ça, c'est vraiment chaud. C'est qu'un jour, j'étais avec des potes, tu vois. Et le prof était à côté, tu vois. Et, genre, c'était quand même un prof qui était pas. Enfin, il aimait bien quand même passer du temps avec les élèves, tu vois. Ouais. Et ça l'arrange pas. Oui. Ça l'arrange pas. Bon, il était pas non plus méchant, quoi. Il était plutôt sympathique, mais ouais, chelou, quoi. Mais ouais, chelou. Et ouais. Surtout quand en fait il avait des gants en laine. Mais c'est à la fois mitaine et moufle. Oui, bien sûr. Et il nous a raconté de ce qu'il faisait dans ses moufles. Quoi? Ouais, ce qu'il faisait avec ses moufles. Il se branlait avec ses moufles? Dans ses moufles. Il se branlait dans ses moufles. Mais. Ça s'invente pas, je sais. À quel moment t'expliques ça à des élèves, mec? Bah oui, c'est ça. Mais t'es pas scolaire en mime, oui, mais bien sûr. Il a passé un autre encodage, il est pion du théophyte. Il a complètement claqué, quoi. Non, mais il oui, se branlait dans après, ses moufles. Il l'a dit à mot couvert, mais on l'a compris. Je veux dire, ça, c'était. Alors, les enfants, ça bosse, on voit dans les moufles. Vous allez nous voir après. Hein. Mais le pire, c'est qu'à côté de ça, c'était quand même un prof assez cool, dans le sens où, genre, c'était un prof d'histoire, tu vois. Ouais, d'accord. Et les troisièmes, quand ils apprenaient du coup la Seconde Guerre mondiale, pour les mettre en scène, ils faisaient des batailles de boules puantes. Et genre, ils mettaient les tables en tranchées et tout. Ah, c'est pas, ah oui, c'est pas mal, coup, ça. Tout le monde pensait qu'il était cool, mais en même temps, genre. Mais quelque part, tu peux pas avoir un bon prof sans downside, en fait. Bah ouais, c'est obligé. Ça. Si t'as un bon prof un petit peu fun, c'est forcément un pédophile. ou un dealer de crack. Ouais. Et ouais, nous, notre prof de philo, elle était assez distante avec la plupart des élèves. Ouais. Sauf en dehors des cours, où elle nous faisait beaucoup de blagues sur nos beats, sur se branler, sur qui c'est qui a une copine et comment il la nique. Des trucs comme ça, c'était très insistant. Ouais. Tu mets peut-être pas là. Je. D'accord, et bah écoute, claque. Faut pas ouvrir le B aussi. T'as ouvert les deux déjà? Ouais. Ça va péter un moment ou. Isaac. Je vais faire maintenant. Ouais, la bonne idée. Et du coup, ça va pas péter une vitre, ça va péter le mur. D'accord. Impatient de ma mère en HP se tape des branlettes dans ses chaussettes. Donc, ton prof, il est chelou plus. Quoi? Un patient de sa mère, qui est en hôpital psychiatrique, ouais, il se branle dans ses chaussettes. Mais c'est assez... c'est répandu dans le truc des chaussettes, non?
Ouais. Enfin, c'est un mème, quoi. C'est un des premiers mèmes de l'humanité. Hein. Dès qu'on a à la base, on n'a pas inventé les chaussettes pour les pieds. C'est juste le mec qui s'est dit, putain, je caille cette pluie, vas-y, tant pis. Et il s'est dit, en fait, c'est pas con. En plus, tu peux colmater. Le truc des chaussettes, c'est très répandu, mais ça doit niquer la bite, non, je sais pas. Mais ça râper à moitié. Ça dépend quelle chaussette tu prends, je pense. Ouais, genre Hoffman, il prend des petites soquettes de golf. Nous, on prend des chaussettes militaires. Oui, ben, voilà. Des trucs en acrylique. Les Romains, ils faisaient comment, comme ils avaient tout le temps des sandales. Ouais, c'était chiant pour eux. Ils se branlaient dans leurs sandales comme les mecs, tu sais, les fétichistes des sneakers, là. Pas des trucs à manger, des baskets. Là, tu prends les sneakers, je pense à me bouffer. Et les mecs, ils se branlent dans les chaussures. Mais c'est Monsieur Poulpe, il avait à un moment une émission cul, enfin une émission cul, une émission sur le cul, tu vois. Ouais. Et donc il y avait plusieurs segments, tu vois, son émission, c'est une espèce de talk show en fait. Bien sûr. Et à un moment, il avait testé donc d'aller dans des clubs comme ça, de fétichistes sneakers, tu vois. Ouais, ok. Et il a failli se faire enculer, parce qu'ils étaient gays, ouais. Et qu'ils enculaient pas juste des chaussures. Et déjà, c'était marrant. Et ensuite, il y avait un autre segment. Où il était réel de scène de cul. Donc il était avec, je crois qu'à un moment il est avec Edouard Baird. Hein, et ils sont derrière l'espèce de, tu sais, la régie, tu vois. Et il y a deux acteurs qui sont en train de niquer devant. Ouais. Et il leur souffle des lignes à dire, tu ouais. vois, pendant qu'ils baisent. Et les mecs sont en train de s'enculer. Et à un moment, je crois que c'est Edouard Baird qui dit, je suis quand même vachement déçu que le Betamax est disparu. Et c'est des trucs comme ça, rappelle-moi d'aller acheter une éponge ou des trucs. Et c'est vraiment super marrant. Et je me souviens plus du nom de l'émission par contre, mais c'est assez récent. Ah, c'est Crac Crac, c'est ça Hoffman. Ah, Crac Crac. Ouais. C'est pas un truc justement qu'il avait sorti pour remplacer un peu Recette Pompette. Si, c'est ça, mais c'était après après Recette Pompette. Ouais, il a sorti un petit truc. Je sais pas ce qu'il fait maintenant d'ailleurs lui. Je sais pas. Ah, mec, le truc du Betamax, mais ça m'avait fait chialer de rire. Quoi. Ouais. Et ils sont comme je suis quand même vachement déçu que le Betamax soit disparu. Ça fait penser à un screen de 4chan avec écrit « Mom found the cum rags » et l'image c'était des champignons qui avaient poussé sur une serviette de bain. Oui. Ouais, des vrais champignons, mec. Putain, mec. Oh là 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 là. Le truc qui m'avait tué, c'est quand il parle de baise avec sa mère et sa tante à table. Ah oui, il a sa mère. Il y avait des segments de l'émission, tu sais, où sa mère et des copines à sa mère, et je crois sa tante, elles lisent des bouquins de cul pour la semaine, et elles en parlent pendant l'émission, tu vois. D'accord. Et ils parlent de ça avec sa mère, et c'est trop. Tu sais, c'est des vieilles en plus, c'est des mamies, tu vois. Mais oui. Et ils ont une approche totalement bas les couilles, en fait. Les vieilles, ça s'en fout, en fait. Hein. Ça a aucune mœurs, en fait. Non. Je sais pas à quel moment, je crois que c'est nos parents en fait qui sont tous des coincés du huc parce que les grands-parents ils s'en battent les couilles. Même mes parents, moi en tout cas les miens. Après les miens sont assez âgés, donc je sais pas. Ouais, mais les miens aussi sont assez âgés mais ils étaient justement assez... Ils m'ont eu tard, tu vois. Mais non, moi ils sont assez. Ah oui. Après ils sont peut-être de l'ancienne école aussi, je sais pas, tu vois. D'accord. Bah mon père a goûté beaucoup de vannes de cul mais parler de cul à la maison c'était pas le truc, fallait pas hein. Bah... Ah ouais, ouais. Alors, moi, fallait pas quoi. Bah je faisais une blague de beat où je parlais de beat, j'avoue il aimait pas. Hein. Ah ouais, ouais. Bah moi tu vois, genre mon père ça va pas être celui qui va forcément en faire. Ouais. Mais si j'en fais une il va me se marrer. Bah maintenant moi aussi. Oui. J'ai 27 ans quoi. Ouais. Okay. Mais quand j'étais gamin il y avait un genre de... Ah ouais, alors... Non ça va, c'est pas ça va loin mais... Ah non ça a fait... Ah mais il y a des autosaves en fait. Ah oui d'accord, c'est juste là en fait. Ok bah c'est bon. Il y a des autosaves. Mais du coup, attends. T'as ça que mes parents parlaient de cul, c'est. Oula. Tu rentres au JDF comme ça, toi? Ah, faut peut-être. Ah, ok. Oula, vache! Ils sont sympas, les scripts en vrai. J'aime bien, ouais. Et j'avais vu le test de carte PC sur le jeu. Mmh. Et pour l'instant, je trouve qu'ils ont été assez durs avec eux. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'ils leur reprochaient? Bah, qu'en soi, il apportait rien. Contrairement. Ouais, derrière toi, y'a de la vie derrière toi. Au coin du mur droite. Yes, merci. Contrairement à... Il le prenait en... Ah non, c'est pas possible. Dusk. Ouais. Ouais, bien sûr. Et que comparé à Dusk, il valait pas forcément le coup, parce qu'il apportait rien de nouveau comparé... Enfin... Ils ont dit en gros que c'était un jeu des années 90 qui était sorti aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais je suis plus ou moins d'accord, mais... Ouais, eux, ils partaient du principe que c'est une mauvaise chose, tu vois. Alors que, bah... Ouais. Je suis pas forcément...
D'accord. Je trouve qu'il y a quand même la prouesse technique de réhabiliter le build engine comme déjà, ça et d'en faire quelque chose d'assez déjà, impressionnant ouais. quand même. Et même en soi, t'as pas forcément besoin de... De révolutionner tout à chaque fois. Bah ouais, voilà. Je veux dire... Est-ce que peut-être c'était leur moyen à eux de gueuler sur la polémique? Sans... Les gars. Ah. Je sais pas, ils n'ont vraiment pas... Je crois qu'ils n'ont vraiment pas parlé, donc... Ouais. Même... Ça se trouve, j'étais même pas au courant. Ah, quand même. Je sais pas, hein. Je pense qu'ils s'en battent les couilles de ce genre de truc, hein. C'est vrai? Je pense, hein. Il me semblait que... Ah ouais, ah, c'est marrant, c'est... Je pensais qu'ils avaient plus d'attrait justement à ça, et qu'ils aimaient bien, tu vois, en parler, mais apparemment non. Non, je pense que eux, vraiment, ce qui les intéresse, c'est que quand ça touche au jeu, vraiment... Ouais. En lui-même, tu vois. Ils, j'imagine qu'ils ont pas trop envie non plus, peut-être, de prendre position sur des trucs comme ça. Quelle polémique. Non, on va pas recommencer. Non, on va pas recommencer, c'est bon. En fait, c'est plusieurs polémiques en une, en fait. Ouais. Non. Et c'est beaucoup de false flagging aussi de la part de mecs qui veulent foutre la merde sur le projet. Mais... Beaucoup d'inventions, beaucoup de chasse à la sorcière. Plein de saloperies. Il y a un. Enfin, très mal géré aussi par. De la part de 3D Realms, ouais. Voidpoint, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Ils font leur boulot, ils font ce qu'ils font bien, ils font des bons jeux, tu vois. Mais 3D Realms ont été vraiment, vraiment lâches. Avec eux, ils ont pas. Ils ont... Ouais. Et surtout que du coup, je sais pas si t'avais vu, s'il y avait une meuf là qui avait sorti un article là-dessus, je sais pas. Ouais, là, une trans là, non? Ouais, justement. Ouais. Et justement, qui est. Ah, mais il y avait plein de monde ici. qui expliquait en fait que c'est même pas vraiment 3D Realms en fait. Enfin. Indirectement, oui, mais pas directement. Dans le sens où en fait, 3D Realms font appel à une boîte de peer management. D'accord, ok. Et en fait, c'est eux. Si tu veux qu'on décide, qu'on dit en gros, c'est comme ça qu'il faut que vous gérer ça, quoi. Que vous gériez ça. D'accord, ah ouais. Et ouais. Mais ça incombe quand même à eux de de prendre des décisions. C'est du counseling et j'imagine qu'ils ont pas une boîte qui gère leur boîte à eux. Non. Donc, la responsabilité c'est quand même eux. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis indirectement. Oui, bien sûr. Mais c'est juste qu'en fait, ils ont décidé de suivre aveuglément les consignes en gros de leur. Leur boîte de pierre là. Ouais. Alors qu'ils auraient pu réfléchir et se rendre compte que c'est complètement débile, tu vois. Bah oui. Et surtout qu'apparemment, les mecs de chez Voidpoint, parce que du coup, ils en ont interviewé quelques-uns. Ouais. Qui sont restés anonymes et tout. Ouais. Et les mecs de chez Voidpoint ont bien eux dit qu'ils savaient que ce qu'on leur a demandé de faire en termes de pierre, c'était de la merde. Ouais, bien sûr, et bien sûr. Ça allait juste mettre de l'huile sur le feu en fait. Ouais. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, ouais. Mais c'est vraiment ce que je viens de remarquer qu'en fait, oui, on joue encore à un jeu par des gens qui m'ont bloqué sur Twitter. Pas Voidpoint, mais Twitterverse, ouais. Ils m'ont bloqué sur Twitter aussi, ouais. Je les ai fait et ils m'ont viré de leur Discord, ils m'ont banni de leur Discord aussi. Bah alors. Ouais, mais en plus, je l'ai vu en live. J'avoue que c'était vraiment marrant, je regrette vraiment pas de m'être fait mal, parce qu'on s'est vraiment bien marré. Je commençais, on le dit sur le Discord, et je commençais un peu à les esticoter justement. Ils voulaient pas du tout qu'on en parle, tu dirais. Mais donc, tous les admins, ça, tu vois, c'est bien qu'ils savent pas du tout. Ouais, tous les admins refusaient vraiment qu'on en parle. Mais vraiment même de comment soulever la question, quoi. Ouais, juste demander, parce qu'en fait, à l'époque, du coup, t'avais des rumeurs comme quoi le jeu allait être censuré. Ouais. Et le simple fait de demander si c'était vrai ou pas la rumeur, ouais, te valait un bannissement. Et il y avait un mec qui arrivait en disant vous fermez vos gueules tout de suite, machin et tout. Donc, et justement, okay. je commençais à en parler, tu vois, évidemment, pour foutre la merde. Et parce que j'avais voulu avoir des réponses aussi. À la base, la première fois, tu l'as même pas dit pour foutre la merde. Et c'est là que tu t'es rendu compte que c'était des gros débiles. Ouais, et c'est là que j'ai pris la décision. De les faire chier. De faire mon last stand. Ouais. Mais oula, ouais, c'est bon, t'arrives pas à la vie. Attention. Et à un moment, du coup, je commence à poser des questions un peu qui fâchent. Et je commençais à dire des trucs, et du coup, machin, la censure, ça se passe comment? Faudrait pas choquer les gens avec une bouteille de shampoing ou je sais pas quoi. Ouais. Et le mec il dit, vous allez arrêter de parler de ça directement. Et je lui ai dit, et toi, le stage de sensibilisation, ça se passe comment? Instant ban. Mec, 5 secondes il a mis, le mec. Il a dit, bon, vas-y, tac, tac, clic, clic, quoi, ouais, c'est bon. C'est ça, ouais. Il savait que ça allait partir en banane. Et c'était pareil sur Twitter. Ouais. Et Twitter, moi je me suis pas fait bloquer alors que. C'est un peu asticoté aussi, mais ouais. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il soit fait niquer par une espèce de boîte de pilleurs consensuels qui essaye de. Voilà. Mais surtout, alors... ce qui est marrant, c'est que cette boîte de pilleurs là,
Ils ont dit que genre ils étaient spécialisés dans ce genre de... Ah bah ça se voit. Ouais carrément. Heureusement qu'ils ont pas choisi le low cost parce que... Eh ben attends, ici, c'est le début de la bêta. Avec les escaliers qui descendent et tout. T'es sûr que c'est comme ça? Attends, on va avancer un petit peu. Je suis pas sûr, peut-être. Avec la passerelle. Ah, ok. Oh, tu continues encore un petit peu et puis on va sur Emily Bell. Ouais. Ça pour l'instant le jeu tu l'enquêtes. T'es où là? Je crois que je suis au tout début. Oh la vache. Mais pour l'instant le jeu j'aime bien. Ouais, il te plaît? Ouais, c'est juste on spawn pas mal, c'est un peu relou, ça quand même, c'est vrai que bon. Mais je pense que ça va se décanter au fur et à mesure. Je pense que le fait qu'on spawn aussi, quelque part c'est chiant, mais quand tu joues tout seul c'est pas trop un problème. Ouais. Là c'est exacerbé par le fait qu'on stream aussi. Ouais. Mais il faut se dire vraiment que ça fait partie, le design labyrinthique fait quand même partie du design. C'est quelque chose, tu vois. Complètement. Donc pas non plus... La bien-pensance mondiale t'auras toujours tort. Ah bah là oui. C'est toi avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'un côté, t'as les mecs qui disent haha, les SJW ils sont choqués par une bouteille de shampoing. Et de l'autre côté, les SJW qui disent haha, les mecs ils ont envie absolument de garder leur bouteille de shampoing. Ouais, donc voilà. C'est ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, entre autres, hein, je vais juste parler de ce truc là, mais entre autres, parmi tout le bordel, il y a des gens qui avaient un petit peu observé l'environnement, il y avait une bouteille de shampoing qui est basée sur une vraie marque. C'est un jeu de mots en fait. Ouais, c'est un jeu de mots sur une vraie marque qui s'appelle Olay, c'est marqué Olay sur la bouteille de shampoing, ouais. Et ils ont remplacé le L par un G pour faire Ogay, parce que c'est rigolo les PD, tu vois. Et ouh, merci Freddy Williams pour les 1€, bat la Mega Force Live. Aïe, pas encore. Non, on se fera pas de stream sponsor. Ah non, pas par eux en tout cas, ça c'est plus ou moins évident. Ça gueule dehors. On est en branle. Ouais. On est quel jour? Lundi. Lundi. Putain, il est 22h13, vous dormez pas déjà là? C'est moi, il y a de l'école là. Mais c'est vraiment un clusterfuck qui est pas nécessaire et qui a foutu tout le monde dans la merde quoi. Mais oui, c'est vraiment tout le monde. Et Voidpoint s'est mangé du coup un ricochet qui était pas non plus mérité par eux quoi. Bah non, clairement pas. Que leur jeu est pas mal, c'est dommage. Ouais, oui, voilà. Et que, ouais, en plus, le fait que du coup, ils ont dit, alors oui, le jeu il sera pas censuré, on va pas retirer les problématiques. Ils l'ont fait ou pas? Et du coup, après, ils ont fait l'annonce, en fait, si on va le faire. Oui. Et après, ils ont refait l'annonce, non, mais en fait, on les fait pas. Parce qu'au début, ils disaient, non, on va pas du tout censurer le jeu, on va juste virer les trucs problématiques. C'est ça. Ouais, bah oui, du coup. On prenait pour des cons ou quoi? Voilà. Save. Là, je te vois là. Ouais. Tu pars tel un cabri et lancé dans les champs de l'aventure. Ouais. Regarde. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est le début de la map de la bêta. Je crois pas que ce soit ici. Oui, pas tout à fait ici, mais c'est le même genre. En tout cas, l'architecture m'en rappelle beaucoup. L'environnement il ressemble. Et donc la bouteille pour se la mettre dans le cul. C'est-à-dire Hoffman. C'est quoi ta question? Ouais. C'est pas clair. Je suis pas certain de... Tu fais ce que tu veux ou pas, hein? Tu nous envoies juste pas de photos, mais... Enfin si, envoie une, mais... Dans même. Tu l'as dans le channel memes, et peut-être que ouais. Là ici, c'est le bordel un petit peu, là. Un peu, ouais. Et tu vois, c'est ici, là... Le bureau, là. Ouais. Ici, j'ai l'impression que c'est un bureau que tu pouvais pas ouvrir dans la bêta. Avec une mitrailleuse dedans. Ça y ressemble énormément. Ça y ressemble énormément. Ouais. Je vois de laquelle salle tu veux parler. Oui, bien sûr, bah ouais, tout le début quoi. Je me souviens de la salle de tu veux parler. Ouais. Mais je me souviens pas que le reste du niveau était comme ça. Bah tu arrives par l'arrière en fait. Ouais. Et on commence plus tard donc je sais pas. Est-ce que c'est des nouvelles têtes ou oui, c'est le shading qui est différent? C'est le shading qui est différent. Non, j'ai l'impression que c'était une... Ici, pardon. Non, c'est le même, ok. Savoir ça donnait quoi au final, ça a été censuré ou pas? Bah je sais même pas en fait. Non. Ça a pas été censuré, ils ont gardé Ogay. Ouais. Ils ont juste viré par contre, tu sais, il y avait aussi le truc de... Ouais. Une zone out of bounds. Ouais. Où il y avait marqué un truc genre... Fag bag, ouais. Et ça par contre ça a été retiré. Il y avait un dev qui avait foutu une connerie fag bag dans une texture hors d'un niveau.
Les mecs ont trouvé ça, mon gars, ça chie encore pire. Et ça, il leur tirait. Ouais. Ça, à l'arrière, je m'en fous, je veux dire, c'est de l'out of bound. C'était juste un message qui était pas du tout censé rester. C'est un truc en commentaire, limite, oui, quoi. Voilà, et c'est foutu, ça. Bon. Ça, ouais, ça dérange pas. Salut Poléon et salut le Bruni, ça va les gars? Salut poto. Vous arrivez pile en même temps, comme par hasard. Si vous seriez pas en train de vous enculer. Il y a Anguille sous roche. God ignore, mais non, et calme-toi, bro, on est là, mec, hein. Donc c'est la première fois que tu utilises le truc secondaire. Ouais. Je le trouve pas top top. Bah ouais. Tu perds beaucoup de temps en fait à les. À les targeter en fait. C'est un peu long. Oula. Ok. Je crois comme arme, non? C'est la merde un peu, non? Oh, ça va, t'as plein de munitions d'Overboy. Plein de grenades. Et les mitrailleuses, t'en es où? Ah, t'as ça aussi, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup ça. Ouais. Je sais pas si Poléon veut le rendre public encore ou pas, Blush. Ah. Oh, à mon avis, lui, ça te dérange pas. Hein. Non. Un popo. PD. Alors. PD. C'est un taser, en fait. Et en fait, ouais. Tu tires assez vite, c'est pas mal. Ouais. J'ai pas l'impression que ça fasse énormément de dégâts. Mais ouais. Ça, mais tu peux le charger après, hein, au pire, hein, je te rappelle. Non. Si, il y a clic droit. Oui, il y a clic droit, mais ouais. Du coup, j'imagine que tu dépenses pas mal de munitions. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Tac, 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 tac. Ah là, on a aucune carte, mon gars, là. Moi, j'en suis, j'étais top, mon gars, ça a jamais chez les personnes. C'est bien, popo. Be proud. Yes, queen. Slay, queen. Oula. Non, genre, cette celle-là, elle était pas dans le démo. Non. Clairement pas. Mais t'y es pas encore, je crois, en fait. Non. Mais c'est à venir. Ouais, je pense, hein. Je pense aussi, ouais. Parce que oui, la démo commence au GDF, justement, donc. Ouais. On est gay friendly ici, ça va bien se passer. Scolar, toi, t'as bien le look d'un gros métrosexuel. Waouh. Bah après, écoute... Ça c'est badant par contre un petit peu. Chez toi, je reconsidérerais un petit peu. Yes, c'est bien ça, c'est bien ce que tu fais là. J'aime bien ton choix là. Et ça me rappelle vraiment beaucoup Blood. Ouais. Il y a vraiment une grosse inspiration. Autant tu vois, Dusk a pris Blood comme inspiration pour le level design et pour le... Ouh. Très joli. Ils ont pris Blood pour l'inspiration, pour le level design et pour l'ambiance. Et ouais. Là, c'est clairement pour le gameplay, quoi. Tout, 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 tout. Ça, c'est la clé bleue, il faut. Ouais. C'est quand même chelou de vouloir se mettre un métro dans le cul. Mais, Poléon, tu sais, il n'y a que les lâches qui... voilà. Donc, au bout d'un moment, on réagit, quoi. T'as peur? C'est quoi, c'est le système de métro belge qui est différent? Bah alors, les... Logo GDF, on dirait tellement celui de Earth Defense Force. Ouais, carrément, ouais. Mais je crois que c'est ça aussi, GDF, ça veut dire un truc du genre... Non, tu l'as loupé, ouais, voilà. Fait qu'il y a... Je sais pas ce que ça veut dire, GDF, mais c'est un truc genre Earth Defense Force, mais différent, tu vois. Ouais. Tout est un dildo avec assez de courage. Exact. À part Pierre Ménès. Bah, ça dépend de... du courage. Du courage. Mais là, faut vraiment du courage. Global Defense Force, d'accord, Global ok. Force. Ah, c'est pas con, ouais. Merci Hoffman. Oula, c'est sombre ici. Ouais, il va pas rentrer. Mais t'as beaucoup de health packs sur toi et beaucoup. T'as deux cartes à moitié là, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des trucs pour révéler des secrets. Tu crois? Ah oui? Je crois. Le vor par le cul de Pierre Ménès, ouais, c'est pas ouf. Y'aurait pas un artiste là qui pourrait nous dessiner ça parce que c'est. Ouais, ouais. Juste pour se marrer quoi. Pierre Ménès. Qui te... Non, toi qui vore Pierre Ménès par le cul, s'il vous plaît. Pendant qu'il fait des commentaires sur le foot. Des commentaires nuls. Des commentaires nuls, ouais. Il fait du jonglage aussi. Mmh. Et après, il est à moitié maigre maintenant. C'est une zone de test. Ah, ah oui. Ah, merde. C'est un parcours d'entraînement, en fait. Oui, 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 oui. Tu peux tirer sur les cibles. J'ai pas essayé encore. Mais... Je peux voir. Nice. Oh. Target. Ah, faut tout être trouvé. T'as une espèce de mini-jeu. Il y en a une à gauche, toi. À gauche. Là, derrière la caisse, à gauche. Ah oui, exact. Take. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je peux pas. Oh si, oh si, ouais, oh si. Et tu peux traverser une texture là? Non. C'est, pour l'instant, ils l'ont pas trop fait. Il y en avait beaucoup dans Duke Nukem. Des textures par lesquelles tu pouvais clairement traverser, tu vois. Mais là, ils le font pas, ouais. Ouais, ouais, ouais.
C'est pas ouf d'avoir un dildo qui se plaint que son fils ne reçoit pas le ballon quand il joue au foot. C'est vrai qu'il a eu bien son argent, hein. Ah ouais? Pas lui, je sais plus. Niveau foot, faut pas me demander des trucs, mec. Ouais, parce que ça avait fait un peu... On va pas dire polémique, mais ça avait fait un peu parler, quoi. Il s'était plaint que son fils, c'est adorable, c'est la soccer mom, quoi. Ouais, non, mais c'est que, genre, il parlait que c'était moitié lié à du racisme anti-blanc. Ah oui, en plus. Ouais, genre... Ah, c'est ça, récemment, sur Twitter. Je crois. D'accord. Putain. Oh, les bollocks du mec pour sortir une connerie pareille. Oh, vu, c'est incroyable. Mon fils, il est blanc, du coup, les joueurs renois, ils veulent pas lui filer le ballon, dis donc. Oh, putain. Ça, c'est vraiment... Ah, il est bon, le mec. Je peux monter, là. Ça va pas... C'est pas du tout lié avec son fils, il pue la merde. Non, bah non. Non, non, bien sûr. Ok. Ça serait ça. Oh mec. Oh putain. Oh j'hallucine. C'est littéralement c'est le parce que je suis black quoi. Mais à l'envers. Ouais. Depuis le début je les pète pas les. Et en fait y'en a pas tout le temps les trucs dedans. Y'en a souvent apparemment mais pas tout le temps. De l'armure ouais. Des armor chunk. Non le truc du racisme anti-blanc c'est par rapport à ce qu'il a dit sur Thierry Henry. Oui il y avait aussi. Et il a dit quoi sur Thierry Henry? Je sais pas. C'est un bon joueur de foot et qui était champion du monde ou. Duke Nukem. Ok. Blanc et oppressé, bah oui. C'est le grand problème des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que. Les homos sont oppressés, bon. Ouais. Les noirs sont oppressés, les chinois sont oppressés, les roumains sont oppressés, d'accord. Ouais. Le problème, c'est que les blancs, comme ils ont rien d'autre à trouver, faut bien trouver quelque chose. Ouais. Du coup, on va quand même être oppressé un petit peu, parce que sinon. De temps en temps. Au moins de temps en temps, sinon on va pas s'asseoir dans le bus avec les autres cool kids. Ouais. Sinon, c'est pas. En fait, sinon, finalement, on est mis à l'écart. Et ça, c'est de l'oppression. Ouais, oui. Quelque part, vouloir se faire oppresser, c'est vouloir rentrer dans le rang. Ouais, et quand tout le monde est oppressé, personne n'est oppressé. Bah bien sûr. C'est une méthode à la syndrome dans, dans les indestructibles. Thuram, pas Henri. Ouais. Les gamers, c'est la caste la plus oppressée. Ah bien sûr. Il y a tellement de trucs oppressés, c'est à se demander qui a le temps d'être oppressant. Oh c'est beau ce que tu dis, Mirage. Oh ça c'est très beau, tu peux le tweeter, Mirage, je pense qu'on va le retweeter, tu vois. Oui, ouais, ouais. J'aime bien. Moi je suis pas oppressé, ça. Je sors pas de chez moi. Du coup, voilà, y'a pas de risque d'être oppressé. Si. Oh la vache. Mais t'avais de la vie, là. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Replay, s'il vous plaît. Un très beau arrondi, là, du Gary. Tu veux refaire une dernière et puis on passe sur... Une petite dernière, je suis loin, là. Oh la vache, t'es loin, là. Oh, on s'arrête là. Ok, on s'arrête là, doc. Vas-y. Bon bah écoute, de toute façon, toi tu vas continuer de ton côté. Tu me fileras la save. On trouvera un moyen de filer la save, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Il faut faire entraînement encore. Ouais ok d'accord. Et puis bah on va passer à... Medieval. Du coup ouais, il va continuer dans les autres streams, du coup je serai pas là moi, mais Tu seras pas là. Oui, par l'esprit quoi. Ouais. Ok. Du coup on fait des gros bisous, on revient dans quelques minutes les gars, quelques secondes même. Le temps de lancer le jeu et puis on revient. Allez bisous les gars, ciao.